Collègue, bonjour. C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous et de vous recevoir sur ces webinaires de l'AMCAR. Avant tout, je voudrais vous souhaiter Ramadan Karim, Inch'Allah. Je voudrais remercier les laboratoires Pfizer pour leur soutien. Je voudrais remercier tous les cardiologues qui ont pu se joindre à nous pour ce webinaire. Je voudrais remercier tous nos trois orateurs, nos trois éminents orateurs marocains et rythmologues qui nous font le plaisir et l'honneur de participer avec nous tout à fait bénévolement et amicalement. Et je voudrais remercier aussi mon ami, le professeur Saad Soulamy, et aussi mon maître, parce que j'ai appris énormément de choses à ses côtés. Alors, pour les gens qui ne le connaissent pas et qui sont très, très peu nombreux, c'est un professeur de cardiologie et il est installé dans le privé depuis longtemps. Et donc, on continue à apprendre à ses côtés tout le temps. À toi la parole, mon cher Saad, pour modérer ce webinaire. Merci, mon cher Saïd. Tu me fais vieillir, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais être très, très clair. Moi, je trouve que le COVID-19 est une excellente chose. Pourquoi c'est une excellente chose? Parce qu'il nous a permis de nous réunir. Je crois qu'on n'a jamais été aussi proches l'un de l'autre en matière de cardiologie. Quand on voit le nombre de webinaires qui se font pratiquement tous les jours et quand on voit un petit peu tous les éléments qu'on est en train d'apprendre tous les jours en ce qui concerne notre formation médicale continue. Et je crois que cela est illustré par la dynamique équipe du bureau de la Société marocaine de cardiologie avec à sa tête la présidente, Madame Aïcha Oued, ainsi que je vois un petit peu le portail de WhatsApp que dirige notre ami le professeur Ahmed Benis, que je vais dorénavant noter le cardiologue du COVID, parce qu'on voit tous les jours des discussions extrêmement intéressantes dans le groupe et tous les jours on voit un petit peu des mises au point qui nous permettent bien sûr d'assurer notre formation médicale continue. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir un petit peu le lien d'amitié qui est en train de naître dans cette communauté cardiologique marocaine depuis l'avènement de ce monsieur COVID. Alors aujourd'hui, l'ABCAR a choisi des thèmes extrêmement importants et pratiques, qui sont les problèmes du traitement anticoagulant dans la fibrillation auriculaire, qui sont les problèmes des extracytoventriculaires que nous rencontrons tous les jours, et le problème du Wolff Parkinson White. Alors nous avons pour cela trois rythmologues extrêmement compétents qui vont nous parler de ça. La rythmologie a toujours été une spécialité passionnante et intellectuellement enrichissante. Et bien sûr, tout cela, on va l'apprendre tous les jours. Merci pour tous ces gens-là et merci pour tout ce que vous faites pour notre formation médicale continue. Alors, je passe tout de suite la parole au grand patron de la rythmologie casablancaise, qui est le professeur Hamid Mousterfil, que je ne vais pas du tout vous présenter parce que vous le connaissez tous. Moi, personnellement, je le résume comme ça. Il le sait très bien. Moi, je l'appelle le petit soleil qui brille dans le ciel cardiologique marocain. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Il va nous parler de la problématique du traitement anticoagulant, bien sûr, dans le cadre de la fibrillation auriculaire. À toi la parole, Hamid. Pour ces mots très gentils. Et sans tarder, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt, en particulier aucun conflit d'intérêt avec Pfizer qui sponsorise ce webinaire. La fibrillation atriale, c'est la maladie du siècle. C'est une pathologie fréquente et vous voyez ici sa fréquence qui augmente à partir de 60 ans. Et les recommandations de la Société européenne nous recommande de la chercher systématiquement à partir de 65 ans. Et d'emblée, je vais définir ce qui est une FA valvaire et d'une FA non valvaire. La FA valvaire, on retient surtout la sténose mitrale, quel que soit son degré, et la valve mécanique. Tout le reste est actuellement considéré comme des FA non valvaires et qu'on peut traiter par les nouveaux anticoagulants. Revenons un peu à l'histoire. L'histoire de la fibrillation atriale remonte à Eindhoven en 1902 par la découverte de l'enregistrement de l'électrocardiogramme. Et vous voyez que cette machine-là tenait dans une grande salle. Ensuite, c'est Thomas Lewis, un Britannique, qui a posé le diagnostic de la fibrillation atriale et qui a montré que c'est la disparition de l'onde P et le remplacement par ces onduellettes qui définit la fibrillation atriale. Et ça
et c'est à Frank Sanborn qui revient le mérite d'avoir vulgarisé l'enregistrement de l'électrocardiogramme, car il est devenu petit et donc à la portée de tout le monde. L'ère de l'électrophysiologie a commencé depuis 1913 par la description de la réentrée, qui a été affinée par Alesi en 1970, où il a défini ce qu'est une longueur d'onde et la liaison avec la masse critique de l'oreillette gauche pour démarrer une fibrillation atrière. Ensuite, en 1966, on a mis en évidence par Nathan l'existence de fibres musculaires qui vont tapisser les veines pulmonaires. Et le génie de Heisegger a permis de relier cette extension musculaire à des extrasystoles précoces au niveau de l'électrocardiogramme, d'où l'outil thérapeutique qui est né dans cette période-là, qui est l'ablation par radiofréquence. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à partager une réflexion critique entre les recommandations et la pratique de tous les jours. Car les recommandations, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on fait tous les jours. Et donc, je vais essayer de vous emmener pendant 25 minutes pour discuter un peu tous ces problèmes-là. D'abord, est-ce qu'il y a une relation directe entre la fibrillation atriale et l'ischémie cérébrale ou l'ischémie tout court? La fibrillation atriale peut être la cause, elle peut être l'accompagnement, mais elle peut être secondaire à un dérèglement neurologique du système sympathique et parasympathique après l'accident vasculaire cérébral. Ainsi, la survenue d'une fibrillation atriale après un AVC pose le grand problème: est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Mais en fin de compte, la fibrillation atriale, c'est un grand marqueur d'une maladie de l'oreillette, d'une maladie de la paroi de l'oreillette. Et à elle seule, la fibrillation atriale est insuffisante pour créer l'événement ischémique. Et si on revient à la physiopathologie de la fibrillation atriale, vous avez certaines choses qu'on ne peut pas reculer. Vous avez l'âge, vous avez le vieillissement du myocarde ventriculaire qui va donner cette atteinte diastolique qui va s'installer avec le temps, et vous avez l'inflammation qui est concomitante à certains nombres de pathologies telles que l'obésité, etc. Et là, vous avez deux versants. Vous avez l'installation de fibrose qui va nous donner des micro-réentrées au niveau de l'oreillette et donc démarrer une fibrillation atriale. Mais vous avez une maladie beaucoup plus complexe, une maladie beaucoup plus générale qui est vraiment la maladie de Virchow. Vous avez une atteinte de la paroi de l'oreillette gauche, vous avez une hémoconcentration et vous avez donc une sécrétion par l'endothélium de cellules et de marqueurs inflammatoires. Et ainsi, vous avez une triade de Virchow qui fait de la fibrillation atriale une maladie veineuse. Ajoutez à cela, donc vous avez l'information et vous avez l'explication de la formation du thrombus et parallèlement la faible efficacité des traitements antiplaquettaires parce que le mécanisme il est différent. C'est un mécanisme de coagulation et non pas un mécanisme d'agrégation plaquettaire. Deux autres mécanismes font que la fibrillation atriale est une maladie veineuse. La première, c'est l'embryologie qui nous dit que la plicature du tube cardiaque fait venir le tube veineux derrière le ventricule gauche et vous avez le massif auriculaire qui va être surtout fait de tissu veineux. Et vous avez l'anatomie de l'auricule et vous savez que cet auricule-là, lorsqu'on fait des empreintes, il ressemble à un corail qui ne demande qu'à piéger les éléments figurés du son et par conséquent, il est responsable de la formation de 90% des thrombus au cours de la fibrillation atriale non valvaire. C'est pour ça que l'étude anatomique de cet auricule est capitale dans la prise en charge de la fibrillation atriale. Revenons à la définition. Je ne vais pas vous définir la fibrillation atriale, vous la connaissez bien. Je voudrais m'attarder sur deux choses. Est-ce qu'un épisode de FA qui dure 10 minutes, 15 minutes n'est pas une fibrillation atriale puisqu'on le limite à 30 secondes? Et est-ce que on recherche suffisamment cette fibrillation atriale silencieuse? Ce sont les deux éléments dont les différentes définitions de la fibrillation atriale qui m'interpellent. Ce 30 secondes, eh bien, hier, on a traité un malade par des anticoagulants
qui avait un lambeau de FA de quelques secondes, moins de 10 secondes, mais qui a un AIT. D'accord ? Le fait de limiter la définition d'un épisode de FA à 30 secondes est très critiquable. Donc, c'est pour ça que ces recommandations, il faut les voir avec un œil critique. La fibrillation atriale cachée, elle est traître parce qu'elle tue plus. Regardez, lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée, elle est généralement diagnostiquée au stade de complication et par conséquent, elle tue beaucoup plus que l'AFA qui est symptomatique. Revenons aux recommandations de la Société européenne qui nous dit que lorsqu'une prothèse rythmique enregistre une activité atriale rapide de plus de 5 à 6 minutes et lorsque le CHA2DS2 est en faveur, il faut qu'on anticoagule. D'accord. Mais cette étude, certes, qui a été la base de ces recommandations, nous montre que surtout les gens qui font des accès de plus de 24 heures, ce sont ceux-là qui vont faire des accidents vasculaires cérébraux. Et les autres, 6 minutes, 6 heures, etc., ne font pas d'accidents vasculaires de manière disproportionnée. Donc, cela pose au moins deux questions dans l'analyse de la fibrillation atriale. La première, c'est la durée qui, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore clairement établie. À partir de quelle heure on doit définir la fibrillation atriale et à partir de quelle durée le risque embolique est certain. Et la deuxième problématique, eh bien, elle est purement rythmologique. Lorsqu'on analyse ces signaux sur les prothèses endocavitaires, les pacemakers ou les défibrillateurs, regardez cette activité qui est relativement régulière, qu'on voit très bien. Est-ce qu'elle a le même rôle emboligène que celle-là qui est beaucoup plus fragmentée et qu'on ne voit pas très bien? Donc, cet élément-là, là aussi, il n'a pas encore de réponse à l'heure où je vous parle. Lorsqu'on recherche une cause de ces embolies indéterminées, vous voyez que les recommandations vous disent qu'il faut chercher l'AFA par un holter d'au moins 24 heures. Mais 24 heures égale ou supérieure, c'est-à-dire que 24 heures est suffisant. Mais les recommandations nous disent, dans le même papier, comme quoi lorsqu'on recherche de l'AFA paroxystique ou silencieuse, par deux holters dans l'année, dont chacun a une durée de 7 jours, ben on ne diagnostique que 4%. Et lorsqu'on fait un holter de 24 heures, on ne diagnostique que 0,2%. Pour conclure, la fibrillation atriale est mal recherchée. Elle est très mal recherchée. Et le holter de 24 heures doit disparaître dans cette indication de recherche de fibrillation atriale paroxystique. Mais au-delà de tout ça, il faut aller chercher la fibrillation atriale avant qu'elle s'installe. Et on a des éléments prédictifs qui sont cliniques, échographiques et de laboratoire. Eh bien, l'électrocardiogramme, il faut s'attacher à l'analyse de la durée de l'onde P. Lorsqu'elle est étalée, lorsqu'elle est fragmentée, elle est annonciatrice de fibrillation atriale. Rechercher la dispersion de l'onde P, c'est-à-dire sa durée qui varie d'une dérivation à l'autre. Rechercher ces fameuses extrasystoles décrites par Heisegger avec ce phénomène P sur T, ces activités rapides au niveau de l'oreillette sur le holter, donner à l'échographie sa place en mesurant la surface, surtout le volume, analyser le ventricule gauche, le strain atrial et surtout les marqueurs inflammatoires qui nous allons le voir lorsque le CHA2DS2 est faible. Ils vont prendre toute leur importance pour screener les malades, pour indiquer le traitement anticoagulant. Et puis, chez les malades symptomatiques, il faut avantager l'enregistrement séquentiel parce que le malade peut faire un enregistrement lorsqu'il ressent des signes. Alors que lorsqu'on a l'ambiance d'une fibrillation atriale et qu'on n'arrive pas à l'enregistrer, il faut avantager les holters implantables. Telle est la vision d'une recherche pragmatique d'une fibrillation atriale, à mon sens. Mais traiter les malades, c'est un dilemme, c'est un travail d'équilibriste. L'anticoagulation, tout le temps, pose le double problème, diminuer les accidents thromboemboliques, mais diminuer également les hémorragies. Et lorsque on voit ce risque, lorsqu'on le stratifie, on ne discute pas sur les valves mécaniques et le rétrécissement mitral qui va donner plus de 17% d'accidents vasculaires par an. Mais ce que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui, c'est la FA non valvaire. Toutes les FA non valvaires n'ont pas le même risque.
Ainsi, certaines ont très peu de risques. Et lorsqu'on voit les anticoagulants, lorsque ce risque est inférieur à 2%, on va être délétère, on va créer beaucoup plus d'accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Regardez ici, dans certaines études, on crée jusqu'à 4% d'accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Alors que lorsque les malades sont bien choisis et lorsque ce risque dépasse 4% par an, eh bien là, c'est intéressant d'anticoaguler les malades. Cette cascade d'études et de stratifier les malades a commencé depuis 1994 par l'étude AFI et deux points méritent qu'on s'y arrête. Deux points. D'abord, le chat simple, et ce chat simple, retenez qu'il donne un point à l'âge et surtout, et qu'il ne tient pas en compte le sexe féminin, qu'il ne tient pas en compte la teinte périphérique vasculaire. Et il a permis de screener les malades. Lorsque le CHAT est à 0, c'est de l'aspirine. Lorsqu'il est à 1, eh bien, on donne soit l'aspirine, soit l'anticoagulant, selon les cas. Et lorsqu'il est à 2, ben, on va anticoaguler les malades. Et quelques années après, on a ajouté le CHAT-VASC. Le CHAT-VASC, c'est un simple trouble pour moi, puisque le sexe féminin, maintenant on est revenu sur ça, le sexe féminin, il a été retiré de la stratification des patients. Cette évaluation de la teinte périphérique, il mérite réflexion, parce que est-ce qu'on est obligé de faire des échodoppler où on doit se limiter à une atteinte clinique? Et puis l'âge, on s'est rendu compte que l'âge, il est important et on l'a divisé en deux. Lorsqu'il dépasse 75 ans, on donne 2 points. Et lorsqu'il est uniquement entre 65 et 74, on donne 1 point. Le CHAT-VASC a permis d'augmenter le nombre de malades anticoagulés, car on a permis à ces patients-là qui étaient dans un stade 0 ou 2 de devenir 3 ou 1. Donc, c'est une stratification beaucoup plus approfondie pour le faible risque. Le HAS-BLED est un élément important pour stratifier les malades en même temps, et retenez que 3 éléments au moins sont à la fois des risques hémorragiques et des risques thrombotiques. Et c'est pour cette raison-là que la stratification des patients par ces 2 critères est indispensable. Ces scores doivent figurer sur toute observation de fibrillation atriale. Et là, vous avez les recommandations que vous connaissez, supérieur ou égal à 2, anticoagulation avec l'avantage pour les NACO, sauf si sténose mitrale ou sténose mitrale ou valve mécanique. Pas de plaquettes lorsque le CHAT-VASC est à 0. Et le 1, il est conseillé, 2A, d'anticoaguler. Mais je vais vous donner mon point de vue sur ce cas-là. Quels sont les oublis dans cette stratification? D'abord, l'insuffisance rénale. Cette insuffisance rénale, on sait qu'elle est très thrombogène et n'est pas tenue en compte dans les recommandations. Deuxièmement, l'échographie. On sait que la taille de l'oreillette, le volume de l'oreillette sont des éléments importants dans la stratification du risque. L'échocardiographie transœsophagienne est un élément important dans la stratification du risque et n'a pas été tenu en compte dans ces recommandations. Enfin, l'auricule. L'auricule est un élément très important. Ces images qui m'ont été prêtées par le professeur Aoued vous montrent qu'il y a 2 morphologies, une image en chou-fleur et une image, ce qu'on appelle en manche de balai, qui auront un potentiel emboligène différent selon la forme de l'auricule. Et ce travail Princeps vous montre les 4 types d'auricules que les échographistes doivent nous donner lorsqu'on envoie des malades pour faire des échographies. Vous avez le chou-fleur, le manche à balai, le cactus et l'aile de poulet. Cette aile de poulet qui a 2 lobes et qui serait très moins emboligène que les autres formes. Regardez, eh bien, ceux qui ont les autres formes font plus de 5 fois, 6 fois d'accidents vasculaires cérébraux que cette forme en aile de poulet. Et donc, ça serait intéressant de s'acharner sur le traitement anticoagulant, en particulier chez le faible risque, lorsqu'on a ces autres morphologies, et de lever le pied un peu lorsqu'on a cette morphologie en aile de poulet. Maintenant, le traitement antithrombotique. Le traitement antithrombotique a commencé depuis 1930 par les héparines, et puis on a vu apparaître les antivitamines K. L'aspirine a été testée avec de très faibles résultats,
Mais j'insiste quand même, il y a eu une diminution de risque de 22%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à signaler. Ensuite, vous avez les antivitamines K testées contre placebo avec une diminution du risque de 68%. Et lorsque on a comparé les antivitamines K contre l'aspirine dans les études AFAX, PAF, SPINAF et BATAF, eh bien, on a trouvé quand même une diminution d'environ 40% des cas. Mais ce n'est pas les 68% des cas contre placebo. Autrement dit, l'aspirine fait très peu, mais il fait quelque chose. Et ce message doit être retenu. Les antivitamines K sont de manipulation difficile pour deux raisons. D'abord, une fenêtre très étroite. Et dans la vie de tous les jours, plus de 50% des patients ont un INR soit au-dessous, soit au-dessus de ces chiffres-là. Et l'interaction, le deuxième problème, c'est l'interaction alimentaire et médicamenteuse. Un espoir a été né avec l'association aspirine-clopidogrel dans les études actives, c'était un échec, et ça donnait plus d'hémorragie vis-à-vis de l'aspirine et ça donnait beaucoup plus d'accidents vasculaires cérébraux vis-à-vis de l'anticoagulant. Et cette étude contre l'anticoagulant a été arrêtée avant sa fin car elle était délétère pour les patients. Les nouveaux anticoagulants, trois produits sont commercialisés au Maroc. Vous avez les anti-10A et l'anti-2B, le dabigatran, l'apixaban et le rivaroxaban. Quelques différences de pharmacocinétique. Vous avez le dabigatran qui n'est pas métabolisé par les cytochromes et qui est surtout métabolisé par les glucoprotéines P. Et la deuxième différence, eh bien, c'est l'élimination. Le dabigatran, il est éliminé surtout par le rein. Les autres, c'est-à-dire le rivaroxaban et l'apixaban, sont éliminés surtout par voie hépatique, ce qui fait que le dabigatran va souffrir davantage lorsqu'il existe une atteinte rénale, mais il est le seul qui est dialysable, et ça, c'est à noter. La méta-analyse de Roof nous apprend que les anticoagulants directs vont donner moins d'accidents thromboemboliques que les antivitamines K. Ils vont donner moins d'hémorragie que les antivitamines K. Mais ils vont donner surtout moins d'hémorragie cérébrale. Et ça, c'est un point à souligner. Moins de 50% d'hémorragie cérébrale. Et dans cette méta-analyse, il y a un peu plus d'hémorragie digestive qui sont en faveur de l'utilisation des antivitamines K. Dans la vraie vie, ces résultats se confirment. Moins 50% environ des saignements intracérébraux. Moins 30 à 35% de la mortalité lorsqu'on utilise ces nouveaux anticoagulants. Et donc, ils se sont imposés comme traitement de référence de la fibrillation atriale chaque fois que le budget des patients le permet. Quelles sont les précautions de prescription? Chaque produit vous dit que, par exemple, l'apixaban, 2 critères sur 3. Le rivaroxaban, il dit qu'il tient compte uniquement de l'insuffisance rénale. La vie de tous les jours m'a appris qu'il faut tenir compte des 3. Chaque fois qu'il y a un âge au-delà de 75 ans, un faible poids et une filtration glomérulaire par Crohn-Host inférieure à 50, il faut réduire les doses. Il faut, avant prescription, connaître le groupe du patient et qu'il ait toujours son groupe sanguin sur lui et pratiquer un bilan minimum qui comprend une fonction rénale, une fonction hépatique et une numération formule sanguine avant toute prescription. Et ceci, le répéter au moins pas une fois par an. L'INR, vous savez que l'INR peut donner un allongement, le rivaroxaban en particulier peut donner un allongement de l'INR et ça ne doit pas être un élément de surveillance. Lorsqu'on a un doute, bien, il faut rechercher dans des labos spécialisés l'activité anti-10A. Lorsque le CHA2DS2 est faible, eh bien, il y a deux points qui sortent. D'abord, l'âge qui est un élément important et donc au-delà de 65 ans, il faut anticoaguler, et le diabète par la suite qui est aussi un élément important. Les autres éléments sont importants mais qui ne sortent pas de manière importante comme l'âge ou le diabète. Et voici les éléments lorsque vous avez un CHA2DS2 faible qu'il faut rechercher. Vous avez l'insuffisance rénale, l'apnée de sommeil, les anomalies échographiques qu'on a citées, les anomalies inflammatoires, et lorsque vous avez un ou plusieurs de ces éléments, il faut aller vers l'anticoagulation. Et lorsque vous ne les avez pas, eh bien, il faut se poser la question,
Est-ce qu'on n'est pas délétère lorsqu'on va donner un traitement anticoagulant? Chez le sujet âgé, eh bien, il tire bénéfice. Il tire bénéfice de manière très importante des nouveaux anticoagulants. Et il n'y a pas un surrisque hémorragique par rapport à l'aspirine qui est représentée ici par en bleu. Donc, ne pas freiner la prescription chez le sujet âgé, car il tire bénéfice. Et cette diapositive, je viens de l'ajouter ce matin parce que je la trouve très intéressante. Remarquez que le décès, vous avez le décès, vous avez les hémorragies importantes qui augmentent avec les médications. C'est-à-dire, lorsque vous mettez un patient sous anticoagulant, laissez l'essentiel, enlever les vitamines, enlever les problèmes qui vont créer des interactions médicamenteuses, qui ont créé des interactions avec les cytochromes et augmenter donc le risque hémorragique chez vos patients. Laissez que l'essentiel. Voici un papier qui est intéressant pour screener les malades. Il a été publié en 2013 et qui montre que l'IRM a une place capitale dans le choix des patients. Eh bien, vous avez les gens au-delà de 60 ans ont fait une IRM à la recherche de ces microblites, ces micro-saignements, qui lorsqu'ils ont une topographie corticale ou lorsqu'ils sont au nombre de 5 ou plus d'une topographie subcorticale, eh bien, ils vont contre-indiquer l'antivitamine K en faveur de l'anticoagulant direct et ils vont impliquer un neurologue dans le suivi. Et lorsqu'il y a des signes cliniques, on va répéter l'IRM et s'il y a une progression de ces microblites, on va arrêter l'anticoagulant. Par contre, lorsqu'il n'existe pas ces microblites, eh bien, ces patients peuvent être anticoagulés. Ben, le papier ne parle pas d'antivitamine K ou d'anticoagulants oraux directs, mais ils peuvent être anticoagulés. Donc, cet IRM permet de faire quand même la part des choses pour voir quels sont les patients à risque hémorragique et donc les éliminer dans la prescription des antivitamines K. Quel est l'apport de ces nouveaux anticoagulants dans la prise en charge des syndromes coronariens? Bien, les syndromes coronariens n'ont pas tous la même gravité et c'est toujours une balance thrombose-hémorragie, mais il faut toujours avoir à l'esprit ces éléments qui sont à haut risque thrombotique, l'atteinte du tronc, de l'IVA, la bifurcation, les rosténoses de stent. Lorsqu'il y a ces éléments-là, ben, on est obligé de garder la trithérapie. J'ai essayé de vous résumer ces recommandations mondiales, puisqu'il y a beaucoup de sociétés savantes qui ont participé en ce tableau. Lorsque le risque thrombotique est beaucoup plus important que le risque hémorragique, eh bien, c'est 3 à 6 mois de triple thérapie, de 6 mois au moins de double thérapie et anticoagulant au long cours. Lorsque le risque de thrombose et le risque d'hémorragie sont les mêmes, ben, c'est un mois de triple association utilisant obligatoirement le clopidogrel et 9 mois d'utilisation de la double thérapie. Et lorsque le risque de thrombose est très faible, eh bien là, on peut démarrer d'emblée par une simple bithérapie. Lorsqu'il y a un risque hémorragique ou une contre-indication des anticoagulants, vous savez que l'occlusion de l'auricule, qu'elle soit chirurgicale ou bien instrumentale, donne d'excellents résultats. En cas de saignement, vous savez qu'il y a des antidotes. Il y a une différence, bien sûr, à part les traitements classiques de tout saignement que les réanimateurs connaissent parfaitement. Vous avez l'antidote spécifique, il y a l'IDARA Sizumab, et vous avez des médicaments qui vont agir sur les inhibiteurs de l'antidote A, et donc ils sont indirects et qui sont spécifiques pour le rivaroxaban et l'apixaban. Le premier est disponible au Maroc, le deuxième n'est pas encore disponible au Maroc. Enfin, et j'ai presque terminé, vous avez ici des lueurs d'espoir pour la sténose mitrale dans cette data de la Corée qui a montré chez des sténoses mitrales de sévérité variable un excellent résultat vis-à-vis de la varfarine chez les patients traités par les anticoagulants oraux sur une cohorte de plus de 2000 patients où le risque thrombombotique et hémorragique ont été diminuer. Maintenant, quel est l'algorithme? Et je préfère cet algorithme canadien qui est revenu au CHATS et non pas le CHATS basque parce que donc il ne tient plus compte du sexe féminin et de l'atteinte périphérique, mais ils l'ont appelé 65 car ils ont diminué l'âge à 65. Donc lorsque l'âge est supérieur à 65, on donne un anticoagulant.
Et s'il n'y a pas de contre-indication de l'antivirulent direct, on le préfère. Lorsqu'il y a un élément de ce CHADS, eh bien, un seul, on donne également l'anticoagulant. Et lorsqu'il n'y a pas d'élément, eh bien, on va envisager l'existence d'une atteinte artérielle périphérique qui, lorsqu'il existe, va avantager d'abord un traitement antiplaquettaire. Et on sait que c'est par un mécanisme de plaquettes que les problèmes vont arriver au niveau des artères. Et lorsqu'il n'y a pas cette atteinte-là, c'est à ce moment-là qu'on ne va pas proposer un traitement antiplaquettaire. Et donc, je trouve que c'est plus logique et ça intègre l'atteinte artérielle. Pour terminer, je vous dis que pour traiter une fibrillation atriale, on ne traite pas un signal électrique. Il faut le mettre dans ce contexte, dans son contexte cardiaque et dans son contexte général. Et que ce n'est que comme ça qu'on peut avoir une vision globale. Quatre éléments doivent être tenus en compte. Rechercher l'AFA paroxystique et cachée, tenir compte de la maladie veineuse de la fibrillation atriale, qui est une véritable triade de Virchow, tenir compte de l'inflammation et stratifier les patients, en particulier le bas risque. On est délétère lorsqu'on ne stratifie pas correctement le bas risque. Et retenir que les antivitamines K donnent plus d'hémorragie, et en particulier plus d'hémorragie à l'étage cérébral que les nouveaux anticoagulants. Qu'est-ce qui a changé depuis 1997? On était sous une ère de l'aspirine et de vitamine K. On est passé à une ère de très peu de vitamine K, beaucoup d'anticoagulants directs. Mais les nouvelles recommandations canadiennes remettent en actualité l'aspirine et les antiagrégants plaquettaires en général, en particulier dans les CHADS vasques faibles avec une atteinte artérielle périphérique ou coronarienne. Et lorsqu'il y a un risque hémorragique, eh bien, l'occlusion de l'auricule permet d'éviter 90% des thrombus dans l'AFA non valvaire. Je vous remercie. Merci, professeur Westerfield, comme toujours aussi pertinent, avec des messages clairs, parfaits, mais c'est sûr que ta communication va susciter beaucoup de questions. Alors, je voudrais juste attirer votre attention qu'il faudrait que vous posiez vos questions et ça serait sympa de les poser en marquant votre nom, comme ça pour que la réponse soit directe. On va regrouper les questions à la fin. Donc, je vais tout de suite passer la parole au professeur Hicham Bouzulmet qui va nous parler de l'aspect pronostique et thérapeutique des extracytoles ventriculaires. Le professeur Hicham Bouzulmet est professeur de cardiologie donc à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. Et il est bien sûr spécialiste en rythmologie interventionnelle. À toi la parole, mon cher. Je vais être rapidement. C'est un sujet qui est épineux. C'est un sujet qui suscite beaucoup de questions. Merci beaucoup de m'avoir cette chance aussi, d'avoir donné cette chance-là pour reprendre un petit peu, les messages clés par rapport aux extracytoles ventriculaires, côté pronostic et traitement. Et là, on va voir pourquoi, sur un article récent, pourquoi on fait plus d'extracystoles que la population générale. Eh bien, on fait plus d'extracystoles que la population générale parce que peut-être on est plus âgé, on est de sexe masculin et on a une hypertension artérielle, surtout diastolique. Mais on fait encore plus des extracystoles ventriculaires quand on a de l'insuffisance cardiaque et quand on a un infarctus de myocarde. Mais le facteur puissant, le facteur pronostic puissant, c'est bel et bien la fraction d'éjection qui est un élément pronostic qui est puissant. Alors là, il est classique de scinder les extracystoles en extracystoles graves, et ce sont des extracystoles qui sont associées à une cardiopathie, que ça soit ischémique, dilatée, hypertrophique, dysplasie ou de canalopathie. Par contre, les extracystoles associées à un cœur sain, c'est des extracystoles qui sont bénignes, et là, je cite par ordre de fréquence les extracystoles qui naissent au niveau de la chambre de chasse et qui représentent pratiquement plus de 70% des extracystoles. On s'intéresse plus en côté pronostic à la morphologie de QRS et là, on a parfois des extracystoles qui ne font peur à l'ECG, mais c'est des extracystoles qui sont parfaitement bénignes. Et donc là, on a plus c'est ample et fin, plus c'est bénin. Plus c'est moins ample et crocheté, et plus c'est malin. Et là, 180 millisecondes, on est pratiquement sûr, quand on a cette largeur de QRS, on est pratiquement sûr que c'est une extracystole ventriculaire qui se développe sur une cardiopathie.
Là, c'est exactement les deux ECG. Le premier ECG qui montre des extrasystoles ventriculaires bénignes et le deuxième, c'est une extrasystole sur un patient qui a une fraction d'éjection à 34%. Et regardez comment ils sont les extrasystoles. Alors, comme un bilan de première intention, on a un bilan systématique dès qu'on dépasse 10 extrasystoles par 24 heures. Alors, retenez 10 au-delà de 240 extrasystole par 24 heures, là, on demande systématiquement l'échographie pour voir en même temps la cardiopathie, mais surtout de déterminer la fraction d'éjection. Aussi, on demande comme bilan de première intention l'haltère-ECG et l'épreuve d'effort. L'haltère-ECG, il a un triple intérêt. D'abord, l'haltère-ECG, on va avoir une idée sur la charge rythmique. Et donc là, obligatoirement, dans le compte rendu, il faut mentionner le nombre et le pourcentage par rapport au nombre total des QRS. Ça, c'est très important. Deuxième des choses, c'est la répartition sur les nyctémères et voir est-ce que ça s'accentue le jour ou ça s'accentue le soir, et ça a une implication thérapeutique très intéressante parce que les patients qui développent des extrasystoles ventriculaires au moment sur un terrain de bradycardie, là les bêta-bloquants ne sont pas efficaces, voire même nocifs. Par contre, les patients qui ont des extrasystoles au cours de la journée, là les bêta-bloquants peuvent avoir un effet. Troisième élément, c'est aussi de montrer la morphologie, de voir est-ce que c'est des morphologies qui sont polymorphes ou monomorphes, parce que quelle que soit la cardiopathie, la morphologie, elle, c'est un facteur aussi pronostique déterminant. Un cut-off par rapport à la charge rythmique qui va déterminer le pronostic, vous voyez là, monter 10%. Et donc là, c'est important de voir est-ce que c'est moins de 10% ou plus que 10%. Autre élément qu'on va voir sur l'haltère-ECG, c'est le couplage. Et là, il faut savoir qu'avec un couplage de 300 millisecondes, on risque une fibrillation ventriculaire idiopathique. À partir de 340 millisecondes de couplage, c'est des tachycardies ventriculaires malignes. Et 400, aux alentours de 400 millisecondes, là, c'est des tachycardies ventriculaires, mais qui restent bénignes. Attention au couplage variable qui, quel que soit le couplage, il est à risque arythmogène. Alors, l'épreuve d'effort, il est aussi intéressant pour voir le comportement des extrasystoles à l'effort. Alors, classiquement, on disait que les extrasystoles qui disparaissent à l'effort, c'est des extrasystoles qui sont bénignes. Alors là, cette constatation, elle est de plus en plus bannie parce que on peut avoir des extrasystoles qui vont disparaître à l'épreuve d'effort sans que ça soit bénin, comme le cas de Brugada ou de troubles de repolarisation. Et au contraire, on peut avoir des extrasystoles qui apparaissent à l'effort mais qui sont tout à fait bénignes, le cas des extrasystoles de chambre de chasse. Mais ce qui est intéressant en matière de pronostic, c'est de voir est-ce que ces extrasystoles, est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont s'accentuer à l'effort, et ça a été attesté par les différentes études que c'est un facteur pronostic et encore plus la récupération. Et donc, si on a des extrasystoles qui apparaissent ou qui augmentent d'intensité à l'effort et en récupération, là, c'est un facteur de mauvais pronostic et il faudrait obligatoirement pousser les investigations. Les acteurs de deuxième rôle, et là, ça dépend de la localisation. Et là, on peut, pour simplifier, on peut demander, dans le cadre, si en fonction de bilan de première intention, si on a des extrasystoles de type de retard droit, là, on peut demander une coronarographie, surtout avec un terrain. On peut, par contre, aussi demander, en cas de retard gauche, demander de l'IRM, et surtout de rechercher une dysplasie arythmogène de VG. Et bien sûr, on peut demander d'autres examens et qui sont orientés par les éléments de l'interrogatoire et les éléments du bilan de première intention. Là, deux exceptions qui ne font pas la règle, c'est les cœurs apparemment sains. Quand est-ce qu'il faudrait pas se fier juste aux données de l'échographie pour dire que c'est un cœur sain? Là, il faut se méfier des extrasystoles polymorphes. Il faut surtout se méfier des extrasystoles ventriculaires induites à l'effort. Et ça a été montré sur une étude en 2019 que 80-85% des patients qui font des extrasystoles à l'effort, on retrouve des petites séquelles de myocardite
à l'IRM. Aussi, les patients qui ont un cœur normal, mais avec des antécédents familiaux de mort subite, là aussi, il faut pousser l'investigation vers des explorations nucléaires ou IRM, et aussi les patients, les personnes d'un certain âge de sexe masculin. Deuxième particularité, c'est les extrasystoles qui apparaissent en même temps bénignes, mais qui ne sont pas bénignes. C'est les extrasystoles de Purkinje qui sont, regardez là, qui sont fines et parfois ça peut prêter erreur avec des extrasystoles jonctionnelles, voire même supraventriculaires. Surtout dans le contexte de post-IDM, il faut faire attention et il faut toujours voir le couplage parce qu'en général, c'est des extrasystoles qui surviennent sur un couplage très court et c'est des extrasystoles qui pourraient être tueuses, fort heureusement, qui sont rares. Alors, le troisième scénario, c'est le scénario perplexe de la présence des extrasystoles ventriculaires avec des dysfonctions ventriculaires gauches. Et la question, est-ce que l'extrasystole ventriculaire, elle est la cause? Et là, on va parler de cardiomyopathie rythmique, où la conséquence est que la cardiomyopathie, elle est associée à ces extrasystoles. Et là, on parle de cardiomyopathie médiée par extrasystole. Alors, c'est un dilemme qui était plus ou moins résolu avec la survenue de l'ablation et aussi par beaucoup de travaux ont été faits dans ce sens pour plus ou moins voir quels sont les facteurs prédictifs de survenue d'une cardiomyopathie rythmique à partir des extrasystoles ventriculaires. Et là, on a retrouvé que les patients asymptomatiques font beaucoup plus de cardiomyopathie rythmique. Les patients qui ont des extrasystoles ventriculaires, et là, on a un cut-off de 24% à l'alter-ECG, vont faire dans les mois et les années à venir des cardiomyopathies rythmiques. La largeur de QRS supérieure à 150 millisecondes et les certaines caractéristiques des extrasystoles dites épicardiques aussi se sont pourvoyeuses de cardiomyopathie rythmique. Mais c'est toujours, même avec ces éléments-là, le diagnostic de cardiomyopathie rythmique, c'est un diagnostic rétrospectif puisqu'on ne pourra poser le diagnostic qu'après avoir une réversibilité après l'ablation. Et regardez là, sur cette étude-là, comment on est passé de 15% à voire même 40-45% rien qu'en faisant l'ablation des extrasystoles ventriculaires. Pour le traitement, là, le traitement, il y a plusieurs algorithmes qui sont compliqués par rapport à la prise en charge des extrasystoles ventriculaires. Et là, j'ai quand même simplifié les objectifs de traitement. Quand on traite une extrasystole, on va traiter obligatoirement et en première intention le pronostic. Et le pronostic, ça dépend étroitement de la fraction d'éjection. Et donc, quand on traite une extrasystole, c'est la fraction d'éjection. Alors, pour les symptômes, c'est à viser fonctionnel. Et donc, c'est pour ça que si on veut viser le pronostic, c'est-à-dire la fraction d'éjection, il faut proposer ce qu'on a de mieux. Et ce qu'on a de mieux, c'est l'ablation. Alors, quand on veut traiter les symptômes qui sont à visée fonctionnelle, là, il faut se contenter d'un traitement médical et à même à dose minimale tolérée. Alors, là, la question intermédiaire de la charge, et là, la charge, c'est entre les deux, c'est-à-dire que ablation ou traitement médical, c'est bien sûr en fonction, est-ce que cette charge est aussi importante qui va nous détériorer la fraction d'éjection. Et donc là, on est plus vers l'ablation. Mais par contre, si la charge elle est accompagnée juste de symptômes, là, on est vraiment pour les traitements médicaux. Exception faite pour des extrasystoles ventriculaires sur un cœur qui est sain, mais qui sont plus ou moins très accessibles à l'ablation. Là, on ne va pas même. Si on a des extrasystoles ventriculaires symptomatiques fréquentes, comme dans le cas de les extrasystoles de la chambre de chasse, là, il ne faut pas hésiter à envoyer les patients au rythmologue pour faire l'ablation parce que les taux de succès, ils avoisinent les 95%. Par contre, des extrasystoles qui naissent à gauche, des extrasystoles qui dépendent des queues aortiques, de l'anneau mitral. Et donc là, beaucoup plus, on est à cause des difficultés d'abord techniques, mais surtout de risque de toucher le réseau coronaire. Et là, puisqu'on a le choix, plutôt orienter le patient vers le traitement médical que l'ablation. Dans tous les cas, si le patient insiste pour l'ablation, là, dans ces cas des extrasystoles
ventriculaire de la chambre de chasse, par exemple, gauche, là, il faut bien préciser au patient qu'il y a un énorme risque. Et donc là, c'est toujours quand on a comme ça sur cœur sain et techniquement pas très faisable, là, il faut toujours expliquer au patient. Alors là, deux exemples, l'infundibulaire, juste pour rappel un peu électrophysiologique, ça, c'est regardez, l'infundibulaire, c'est complètement à droite et le V4, c'est à gauche. Et donc là, il faudrait beaucoup plus de temps pour qu'on positive le V4. Et là, regardez là, c'est cette transition qui va se faire tardivement avec cet axe de positif en D2, D3, avec, qui va nous faire orienter le patient plutôt vers l'ablation avec 95%. Alors, même profil de patient sur le plan clinique, c'est un patient de 40 ans, le premier 39 ans, celui-là à 40 ans. Regardez là, c'est pratiquement D2, D3 AVFC positif, mais regardez là, la transition, elle est très précoce. Là, la transition quand c'est très précoce, ça dépend des cusps aortiques. Celui-là, avec les mêmes symptômes, avec les mêmes cœurs de morphologie du cœur, là, on ne va pas proposer de l'ablation, on va plutôt proposer du traitement médical. Alors, quand on a un cœur, là, c'est quand on a un cœur pas normal. Quand on a un cœur pathologique, on s'en fout des symptômes parce que le pronostic va dépendre de la cardiopathie en elle-même. Et donc, il faut s'acharner à traiter cette cardiopathie. On traite un peu les extrasystoles quand ils sont fréquentes et donc quand ils sont supérieurs à 10 000 par 24 heures. Et on traite parfois les patients par ablation quand c'est des patients qui ont une resynchronisation et donc ils ont un PS triple chambre. Et donc l'ablation va nous, ou bien le traitement médical efficace va nous permettre d'effacer des extrasystoles. Comme ça, la stimulation ventriculaire, elle va être, elle avoisine les 100% et on va être efficace. Alors là, la moralité, il ne faut pas sous-estimer certains extrasystoles et non plus il ne faut pas surestimer d'autres. Et donc là, l'objectif, c'est une meilleure prise en charge et je vous remercie. En tout cas, je te remercie, c'était très bien. Alors, je passe tout de suite la parole au professeur Tezi Zalek-Hamel, qui est chef de service de cardiologie à l'hôpital universitaire de Sheikh Zayed à Rabat et qui est bien sûr cardiologue et bien sûr professeur de rythmologie interventionnelle. À toi la parole, Hamel, tu vas nous parler du syndrome de VPV en 2020, quelle sera sa prise en charge? Alors, merci beaucoup. Je remercie d'abord l'assistance pour sa patience et pour son assiduité, ainsi que l'ensemble du comité de l'AMCA. Et donc, sans plus tarder, je vais tout de suite donc aborder le sujet du thème donc du syndrome de Wolff-Parkinson-White en 2020. Donc, quelle prise en charge proposer? Alors, très brièvement, quelques petits rappels nosologiques. Donc, pour vous rappeler que le syndrome de Wolff-Parkinson-White est un terme que l'on réserve aux patients qui présentent des crises de tachycardie ou des symptômes en association avec des anomalies électrocardiographiques que vous connaissez tous, à savoir un intervalle PR court, un QRS élargi et une onde delta de préexcitation. Alors, en dehors de ce contexte-là, on parle plutôt d'un pattern ou d'un aspect de VPV. Donc, comme vous le savez, le VPV, c'est la persistance d'un vestige embryonnaire sous la forme d'une connexion musculaire accessoire qui connecte donc les oreillettes au ventricule dans sa forme la plus typique. Alors, sa prévalence, elle est assez faible, c'est vrai, elle ne dépasse pas 0,25% des cas, mais elle est très probablement sous-estimée par le fait que probablement on passe à côté de toutes les formes atypiques, des formes intermittentes et des formes asymptomatiques. Alors, le véritable danger qui est posé par le syndrome de Wolff-Parkinson-White, il est principalement lié au passage en fibrillation atriale, laquelle, donc en présence d'une voie accessoire ultra rapide, va conduire en un sur un dans le ventricule et donc est susceptible de précipiter le patient vers la fibrillation ventriculaire. Donc, au-delà de la simple curiosité électrocardiographique que suscite le syndrome de Wolff-Parkinson-White, donc c'est une pathologie qui nous pose un certain nombre de pièges diagnostiques et qui va soulever un certain nombre de problématiques thérapeutiques dont la méconnaissance peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. On va donc essayer de voir quelle est l'approche diagnostique et thérapeutique à la lumière des recommandations européennes de 2019.
Alors, le diagnostic de VPV peut se faire à n'importe quel âge. Alors, en effet, dans la population pédiatrique, la pré-excitation ventriculaire peut être retrouvée dès la période néonatale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que près de 35 jusqu'à 50% de ces pré-excitations peuvent disparaître au-delà de la première année. Alors, autrement, les patients peuvent observer une période de latence clinique suffisamment prolongée, tandis que d'autres vont faire des crises de tachycardie, le plus souvent bénignes. Mais, dans sa forme la plus extrême, le syndrome de VPV peut se manifester par une fibrillation atriale préexcitée à conduction rapide et, dans la forme la plus extrême, le patient peut faire une mort subite qui peut être le premier élément révélateur de la pathologie. Et donc, vu tout ce contexte et ce polymorphisme clinique, je pense qu'il est très intéressant de pouvoir identifier les sujets à risque pour pouvoir discuter d'une ablation et permettre ainsi d'améliorer le pronostic de nos patients. Alors, quelles sont les variantes anatomiques ? Elles sont nombreuses, mais dans sa forme la plus typique, c'est-à-dire le quinte classique, eh bien, cette connexion musculaire connecte les oreillettes au ventricule et se caractérise par une conduction qui est dite non décrémentielle, qui obéit à la loi du tout ou rien. Elle est le plus souvent bidirectionnelle, mais elle peut, dans certains cas de figure, conduire uniquement dans la conduction, dans le sens rétrograde, ce qui définit ainsi ce que l'on appelle les quintes cachées. Alors, à côté de ce polymorphisme clinique, eh bien, le syndrome de VPV se caractérise également par son polymorphisme électrocardiographique. Donc, sur un tracé ECG en rythme sinusal, eh bien, on peut voir une préexcitation dont le degré est plus ou moins manifeste. Donc, pourquoi ? Parce que tout simplement, le QRS de surface, eh bien, c'est un QRS qui résulte de la dépolarisation simultanée aussi bien par les voies de conduction nodulicienne que par la voie accessoire qui elle-même dépolarise le ventricule. De ce fait, le degré de fusion observé sur le CG de surface va dépendre ainsi de plusieurs paramètres. Il va dépendre tout d'abord de la période réfractaire entérograde de la voie accessoire. Il va dépendre aussi de la qualité de la conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Et il va aussi dépendre de la localisation de la voie accessoire par rapport au nœud AV. Je vous rappelle que, par exemple, dans les voies accessoires qui sont latérales gauche, donc qui sont très loin du nœud auriculo-ventriculaire, le plus souvent, quand on fait un ECG, la préexcitation est mineure, voire même inexistante sur le CG de surface. Et c'est la raison pour laquelle un ECG normal n'exclut en rien une voie accessoire. Alors, le syndrome de VPV se manifeste en général par des crises de tachycardie, dont le mécanisme principal est un mécanisme de réentrée, lequel donc nécessite pour pouvoir exister deux voies de conduction, représentées par le nœud auriculo-ventriculaire, la voie accessoire, et toutes les deux partagent des vitesses de conduction et des périodes réfractaires différentes. Et le plus souvent, la crise de tachycardie est déclenchée soit par une extrasystolie atriale ou une extrasystolie ventriculaire. Alors, dans sa forme la plus fréquente, le syndrome de VPV se manifeste par des crises de tachycardie orthodromiques. Donc, les tachycardies orthodromiques, ce sont des tachycardies à QRS fin qui descendent d'abord par les voies de conduction nodoïciennes et qui remontent par la voie accessoire. Donc, ces tachycardies, étant donné que ce sont des tachycardies à QRS fin, eh bien, elles posent essentiellement un problème de diagnostic différentiel avec les autres types de tachycardies supraventriculaires, notamment la tachycardie parientrique intranodale et la tachycardie atriale. La deuxième forme de manifestation du VPV, c'est la tachycardie antidromique qui, elle, est heureusement donc pas très fréquente. Alors, elle se caractérise donc par un cheminement donc de la tachycardie d'abord par la voie accessoire, puis elle remonte par les voies de conduction nodoïciennes, posant ainsi le problème de diagnostic différentiel avec les tachycardies ventriculaires. Enfin, dans sa forme la plus extrême, le syndrome de VPV peut se manifester également sous la forme d'une fibrillation atriale préexcitée. Et nous le savons tous, cette forme est une véritable urgence thérapeutique et il faut y penser à chaque fois que vous êtes confronté à un patient qui présente une tachycardie à QRS large et qui est très irrégulière. Alors, en effet, même si l'on peut croire que la fibrillation atriale est plus l'apanage du sujet adulte et des patients beaucoup plus avancés, eh bien, la plupart des études montre que l'incidence de la fibrillation atriale n'est pas aussi bénigne dans la population des adultes, des adolescents et des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle ce risque d'AFA
on peut dire qu'il concerne tous les âges. En particulier, Wellens a défini principalement des facteurs de risque de fibrillation atriale, notamment chez le sujet jeune, en présence d'un tonus adrénergique, en particulier chez le sujet sportif, et chez les patients qui présentent des voies accessoires multiples que l'on retrouve fréquemment chez les enfants. Alors, quel est le mécanisme de cet EFA? Il y a trois hypothèses qui ont été soulevées. Donc, il peut s'agir soit d'une vulnérabilité atriale ou d'une réactivation atriale précoce, et c'est ce que l'on voit le plus souvent dans les voies accessoires multiples où l'onde d'activation passe donc d'une voie à une autre. Et enfin, comme troisième mécanisme, c'est le remodelage atrial qui est la conséquence du retentissement hémodynamique de la tachycardie. Donc, l'AFA préexcité, c'est la forme la plus ultime que l'on redoute le plus. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'elle n'est pas uniquement retrouvée chez les patients qui sont symptomatiques. Et dans ce papier qui date déjà des années 90, les patients, même totalement asymptomatiques, peuvent faire comme première manifestation une fibrillation atriale préexcitée. Donc, comme vous l'avez vu, donc le syndrome de VPV se caractérise par son polymorphisme clinique, par ses nombreuses variantes anatomiques et par son polymorphisme électrocardiographique, avec, dans les cas extrêmes, parfois un risque de mort subite qui peut être la première manifestation de la pathologie. Et c'est la raison pour laquelle la stratification du risque rythmique dans la population des patients ayant une préexcitation ventriculaire est d'une importance capitale, puisqu'elle va permettre un petit peu d'orienter la stratégie thérapeutique, soit vers une abstention thérapeutique avec un simple suivi clinique, ou plutôt, dans les cas extrêmes, vers un traitement radical grâce aux techniques ablatives. Et pour ce faire, donc, on va tout simplement se pencher sur les dernières recommandations européennes de 2019, qui sont extrêmement agréables à lire, et au niveau desquelles le message des recommandations est très clair. Donc, depuis 2003, l'ablation a véritablement pris une place de plus en plus importante dans le traitement des arythmies, aussi bien des arythmies supraventriculaires que des arythmies ventriculaires, alors même que les antiarythmiques dont on connaît le mécanisme d'action de mieux en mieux voient leur cote de confiance, on va dire, diminuer un petit peu en raison de leur index thérapeutique qui est assez étroit. Alors, je vous fais référence à ce article parce que, en plus de l'importance du développement des techniques ablatives, le progrès concerne également l'expérience des opérateurs avec un taux de complication qui, le plus souvent, ne dépasse pas 2%. Alors, quelle stratégie de prise en charge dans le syndrome de VPV? Lorsque l'on reçoit un patient en tachycardie, en dehors d'un contexte d'instabilité hémodynamique, il ne faut pas s'exciter et essayer de réduire rapidement la tachycardie. Il faut se mettre dans de bonnes conditions. Il faut faire un ECG 12 dérivations de bonne qualité. Il faut monitorer le patient, faire un ECG donc percritique pour une bonne analyse après. Et puis, on peut commencer les manœuvres vagales avec, en l'occurrence, la manœuvre de Valsalva modifiée qui est assez simple à faire et qui consiste à demander au patient de souffler dans une seringue de 10 cc. L'objectif étant de faire pousser le piston. Alors, que disent les recommandations dans le traitement de la crise? Alors, dans le cas où on se trouve chez un patient qui a déjà une préexcitation documentée sur le CG de base ou en cas d'exploration électrophysiologique endocavitaire préalable, en dehors de l'instabilité hémodynamique où le traitement de première intention doit être la cardioversion électrique, la première étape, c'est la manœuvre vagale. La manœuvre vagale doit être systématiquement réalisée avant d'envisager autre chose. Alors, en cas d'échec des manœuvres vagales, et dans le contexte où on est dans le contexte d'une tachycardie jonctionnelle, on peut éventuellement arrêter la crise de tachycardie par de l'adénosine. Mais là encore, c'est un test qu'il ne faut pas faire dans n'importe quelle condition. Il faut se mettre dans de bonnes conditions avec un défibrillateur à proximité, parce que lorsque l'on fait une injection d'adénosine, il est possible que l'on favorise après l'injection donc un possible passage en fibrillation atriale, lequel peut être conduit par la voie accessoire et précipiter le patient vers la fibrillation ventriculaire. Alors, en cas d'échec donc, des manœuvres vagales et de l'adénosine, et dans le contexte d'une tachycardie orthodromique, on privilégiera plutôt les bloqueurs du nœud auriculo-ventriculaire, avec notamment les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants. Alors, à l'opposé,
si le patient présente plutôt une tachycardie antidromique, eh bien, on préférera plutôt les bloqueurs de la voie accessoire avec un certain nombre de thérapeutiques telles que le procainamide qui n'est pas disponible ni au Maroc ni en Europe, ou à défaut de la flécaïne en injectable. Et bien évidemment, en cas d'échec de ces traitements médicamenteux, eh bien, la cardioversion électrique doit être privilégiée. Alors, je soulignerai juste que même dans les recommandations actuelles, l'amiodarone figure vraiment en dernière intention, c'est-à-dire en recommandation de classe 2B. C'est une alternative thérapeutique qui doit être laissée en dernière intention. Alors, qu'en est-il par rapport à la efavirenz? On l'a cité précédemment. Donc, c'est une urgence thérapeutique. Et donc, la cardioversion électrique doit être réalisée dans les plus brefs délais. Et je pense que c'est le message le plus clair qu'il faut faire passer aux urgentistes et aux médecins de garde lorsqu'ils reçoivent des patients dans ces conditions. Alors, les recommandations européennes sont, on va dire, un petit peu plus souples en prenant en considération l'état hémodynamique du patient. Et si l'état hémodynamique du patient le permet, les auteurs des recommandations préconisent plutôt d'abord une tentative de cardioversion médicamenteuse, mais comme vous le savez, ces thérapeutiques ne sont pas disponibles. Donc, dans notre contexte, le message à faire passer, c'est en cas de FA précité, eh bien, il faut absolument faire une cardioversion électrique dans les plus brefs délais. Autre message très important que l'on retrouve dans les recommandations, eh bien, l'amiodarone est strictement contre-indiqué dans la fibrillation atriale précitée. Alors, pour cause, plusieurs articles ont en effet décrit des cas de patients pour lesquels on a tenté de faire une cardioversion par amiodarone, mais en fait, il se trouve que l'amiodarone, lorsqu'elle est injectée en phase aiguë, celle-ci peut faciliter la conduction antérograde à travers la voie accessoire et donc ainsi précipiter le patient vers la fibrillation ventriculaire. Alors, quel traitement proposer sur le long cours? Eh bien, si le patient fait des crises de tachycardie symptomatiques et récurrentes, le traitement de choix reste l'ablation. Et les recommandations ont très largement démontré la place de l'ablation dans le traitement des tachycardies supraventriculaires et notamment du VTV. Alors, le taux de succès est extrêmement réconfortant puisqu'il avoisine donc 92 jusqu'à 95%. Les récidives, certes, elles sont de 8%. Elles ne sont pas forcément liées à la technique, mais elles sont parfois liées aux difficultés, on va dire, anatomiques telles que certaines localisations, notamment les voies accessoires latérales droites ou plutôt certaines voies accessoires de localisation dangereuses, notamment les voies accessoires mid-septales. Mais le plus important, c'est tout de même de rappeler que les techniques ablatives sont actuellement des techniques qui sont mûres, qui sont safe, avec un taux de complication qui avoisine à peu près 1,5%. Dans le cas où le patient refuse le traitement par ablation ou chez les patients qui sont très peu symptomatiques, eh bien, dans le contexte de la tachy orthodromique et en l'absence de préexcitation sur le CG de base, eh bien, là encore, c'est les bloqueurs du nœud AV. Tandis que dans la tachycardie antidromique, on privilégiera plutôt les antiarythmiques qui agiront sur la période réfractaire de la voie accessoire. Donc là encore, les recommandations sont formelles. Il n'y a plus de place pour l'amiodarone et pour le sotalol. Donc ces antiarythmiques sont des antiarythmiques dont l'effet pro-arythmogène peut être véritablement fatal dans le contexte du syndrome de VPV. Alors, qu'en est-il par rapport à la préexcitation asymptomatique? Alors, en effet, une très large population de patients peut n'observer aucun événement rythmique pendant toute sa vie et seulement 20% des patients développeront une arythmie, soit sous la forme d'une réentrée sur voie accessoire dans 80% des cas, et dans 10 à 20% des cas, certains pourront faire de la fibrillation atriale préexcitée, et c'est ce que l'on redoute. Alors, dans les séries historiques, le risque de mort subite que l'on retrouve un petit peu dans la plupart des papiers, il est très faible, comme en témoigne cette méta-analyse. Mais il apparaît que ce risque de mort subite, lorsqu'il est ajusté à la population étudiée, eh bien, ce risque de mort subite est différent. En effet, donc, dans la population des patients dans la population des enfants avec cardiopathie congénitale, eh bien, ce risque de mort subite peut aller jusqu'à 5 à 10%. De la même manière que lorsque l'on individualise une population de préexcitation asymptomatique avec des critères de gravité, eh bien, ce risque de mort subite monte et grimpe jusqu'à 7%.
Alors, faut-il explorer les précipitations asymptomatiques et comment? Eh bien, oui, il faut les explorer. Il a fallu attendre 2003 avec ce papier de Papon, donc, qui est une équipe italienne, qui a testé l'hypothèse selon laquelle l'ablation prophylactique dans la population des patients qui ont une précipitation asymptomatique et à haut risque serait supérieure à un suivi clinique. Donc, pour vous résumer un petit peu le travail, donc, ils ont isolé une population de patients ayant une préexcitation asymptomatique. Ils ont défini comme étant les patients à haut risque, c'était des patients âgés de moins de 35 ans et avec une arythmie inductive. Et ensuite, ils les ont randomisés en deux groupes. Un groupe a bénéficié d'une ablation et un groupe a bénéficié d'un suivi clinique. Eh bien, les résultats de cette étude, au terme de 5 ans, sont très clairs. L'ablation prophylactique des patients qui sont jugés à haut risque a permis en effet de réduire le risque d'événements rythmiques de manière significative avec une proportion de 92%. À l'opposé, les patients qui ont bénéficié uniquement d'un suivi clinique, eh bien 60% d'entre eux ont fait un événement rythmique, dont un a fait une fibrillation ventriculaire réduite par choc électrique. Donc, ce papier a marqué un véritable tournant dans la prise en charge des préexcitations asymptomatiques. Et depuis cette date, les recommandations ont été un petit peu modifiées. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, l'exploration électrophysiologique des patients asymptomatiques paraît être une étape incontournable pour la stratification du risque rythmique. À l'opposé, donc grâce à l'exploration électrophysiologique, eh bien, les patients pour lesquels on n'arrive pas à induire d'arythmie, eh bien, ces derniers semblent être des patients à moindre risque pour lesquels l'ablation prophylactique n'a pas de place. Alors, dans ce papier, qui est également un papier très intéressant, les auteurs ont en fait essayé de démontrer quel était l'impact d'une préexcitation intermittente sur le pronostic des patients. Et en effet, donc en dépit d'une mauvaise conduction entérograde à l'état basal, eh bien les patients, au décours de leur vie, peuvent améliorer la conduction à travers la voie accessoire au décours d'un passage en fibrillation atriale, qu'elle soit spontanée ou induite. Et donc, en fait, ce papier est extrêmement intéressant parce qu'il il casse un petit peu ce paradigme selon lequel la préexcitation intermittente est une préexcitation bénigne. Eh bien, non. Donc, la préexcitation intermittente ne doit plus être considérée comme étant une préexcitation à bas risque. Et les tests non-invasifs que l'on fait, à savoir notamment le Holter CG et l'épreuve d'effort, ne sont pas suffisants pour pouvoir évaluer la conduction rapide à travers la voie accessoire. Autre élément qui a été souligné par cet article, grâce à l'exploration électrophysiologique, on peut en fait tester la sensibilité catécholergique de la voie accessoire, chose qui fait totalement défaut dans les tests non-invasifs. Donc, le message à faire passer, il faut absolument faire une exploration électrophysiologique pour pouvoir véritablement stratifier le risque rythmique des préexcitations asymptomatiques et intermittentes. Alors, que disent les recommandations ? Alors, les recommandations sont formelles sur l'indication de l'exploration électrophysiologique chez tous les patients qui souhaitent avoir une pratique sportive, en particulier le sport de compétition et les athlètes, et toutes les professions à risque. Pour les autres patients, eh bien, l'exploration à visée justement de stratification du risque est tout à fait raisonnable et discutable. Par contre, les tests non-invasifs, en particulier le Holter et l'épreuve d'effort, ils peuvent être considérés, mais ils ne sont pas suffisants pour pouvoir juger de la dangerosité de la voie accessoire. Et donc, au terme de cette exploration, une fois qu'on a identifié les patients à haut risque, eh bien, l'ablation est une indication formelle. Et là, donc, il faut absolument s'acharner à convaincre le patient. Il a un très haut risque de mort subite, en particulier si on arrive à induire une arythmie, s'il présente des voies accessoires multiples, s'il fait de la fibrillation atriale induite pendant l'exploration, ou s'il a une période réfractaire entérograde extrêmement courte. Et les recommandations vont même plus loin. Ils proposent même de discuter l'ablation chez les patients à bas risque, mais là encore, il faut plutôt peser donc le bénéfice et le risque entre une procédure invasive et l'abstention thérapeutique. Donc, je terminerai juste par le volet de la préexcitation dans le contexte de la pratique sportive. Donc, vous savez tous que le sport est une situation adrénergique particulière qui, en elle-même, expose un risque rythmique du patient. Et donc, surajouté au contexte de la préexcitation, le risque est encore plus important.
Et c'est la raison pour laquelle tous les patients sportifs doivent bénéficier d'une exploration électrophysiologique endocavitaire avec des tests aussi bien à l'état basal que sous isuprène. Alors, au terme de cette exploration, l'ablation doit être obligatoirement proposée pour tous les patients qui sont symptomatiques, tandis qu'elle est recommandée mais non obligatoire pour les patients ayant des préexcitations asymptomatiques. Enfin, si le patient a des critères électrophysiologiques de bas risque, c'est-à-dire une période réfractaire qui ne conduit pas bien et en l'absence de tachycardie inductive, il paraît raisonnable de suivre le patient annuellement sans pour autant proposer une ablation prophylactique. Voilà, donc je terminerai juste par dire que le syndrome de VPV, c'est l'une des affections cardiovasculaires qui expose au risque de mort subite que l'on peut éviter grâce à un dépistage et une identification des sujets à risque. Alors, tout VPV doit être exploré, même les patients asymptomatiques et en particulier la population des athlètes, des sportifs de compétition et les professions à risque. Dans le contexte particulier de l'enfant, le plus souvent, le traitement médical fait bien l'affaire, mais en cas d'échec ou de mauvaise tolérance du traitement médical, l'ablation pourra être discutée à partir de l'âge de 12 ans. Et donc, je terminerai juste pour rappeler que le sport est une situation à très haut risque. Et si vous êtes amené à faire des certificats de non-contre-indication de sport, il est important de pouvoir évaluer votre patient en collaboration avec un rythmologue, car ce sont des patients qui sont à très haut risque et la prescription doit être bien réfléchie. Je vais passer aux questions. Alors, on va commencer bien sûr par Mustafir, pour la simple raison que tout le monde te sollicite. Tout le monde te pose beaucoup de questions. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par Madame Abdel Ali Salima, quand même, parce que c'est elle qui a posé beaucoup de questions en ce qui concerne l'arythmie complète pour la sonde oculaire. Alors, voilà ce que te demande Salima. Alors, elle te dit, tu as un patient qui a un AVC ischémique bien installé et que tu découvres une fibrillation auriculaire, quelle serait la stratégie de l'anticoagulation, s'il te plaît? Alors, c'est un accident ischémique. Oui. Alors, l'accident ischémique, sa prise en charge se fait d'abord en même temps avec un neurologue et on va identifier le score de Nice qui va nous préciser la gravité de l'étendue de l'ischémie et que c'est très simple. Si c'est très petit, on est autorisé à commencer les anticoagulants à partir du 2-3e jour. Si c'est étendu, on n'a pas le droit de commencer l'anticoagulation avant au moins 2 semaines. D'accord ? Dans les recommandations, et c'est un 2A, on peut donner pendant cette phase-là où on n'a pas d'anticoagulation un peu d'aspirine. Voilà. Donc, mais c'est une prise en charge collégiale parce qu'il y a un risque d'infarcissement de l'accident vasculaire cérébral ischémique en hémorragie et c'est la catastrophe. Donc, c'est une décision collégiale entre le cardiologue, le réanimateur et le neurologue. Autrement dit, tu ne fais jamais de l'anticoagulation tout de suite? Non. Je mets de l'héparine de bois pas moléculaire à dose iso parce que le malade est alité. Mais je ne n'anticoagule pas à dose curative. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la vitesse de vidange auriculaire? Alors, la vitesse de vidange auriculaire, bien sûr, elle est importante. C'est un élément qui prédit, les accidents thromboemboliques. Mais c'est pour ça que c'est un message que je lance à nos échographistes. Lorsqu'on vous demande des échos transœsophagiennes, donnez-nous d'abord la taille de l'auricule, donnez-nous la morphologie de l'auricule. Et je vous ai dit que cette morphologie en aile de poulet, elle est importante parce qu'elle est très peu thrombogène. Et donnez-nous la vitesse au niveau de l'auricule. C'est très bien. Donnez-nous la vitesse. C'est un élément, bien sûr, qui, lorsqu'elle est diminuée, c'est un élément prédictif de thrombose au niveau de l'auricule. Merci pour tes réponses courtes. C'est une très bonne chose. Alors maintenant, je continue. On te pose un petit problème pratique. Tu as un patient qui a un AVC ischémique, cryptogénique confirmé, et qui fait de multiples extracytos supraventriculaires. Enfin, des ESA sur le plan de son Holter qui a été réalisé, mais il n'a jamais fait de fibrillation auriculaire patente. Alors, est-ce que tu proposes de l'anticoaguler systématiquement et qu'est-ce qu'il faut? Non, je ne l'anticoagule pas systématiquement. Je mets un Rivil.
J'implante un holter implantable systématiquement et je l'interroge régulièrement pour piéger une fibrillation atriale. Parce que le holter implantable, ça dure 18 mois. Et si on n'a pas de fibrillation atriale au bout de 18 mois, ben ça veut dire que les chances d'en faire sont très faibles. Alors, je me permets de te faire une petite remarque. Ça, c'est personnel, attention. Ça n'a rien à voir. C'est parce que, je ne sais pas si tu as entendu Ariel Cohen dans le cadre du dernier congrès de la SFC, il avait parlé de la cardiomyopathie atriale. Et dans le cas de la cardiomyopathie atriale, bien sûr, avec une histoire d'oreillette gauche un peu dilatée, il disait qu'il y avait beaucoup de patients. Ça, c'est pour cette raison-là que lorsqu'on a un CHA2DS2, lorsqu'on a un CHA2DS2 faible, on cherche les autres paramètres. Et là, l'oreillette, elle est importante. Bien sûr, si tu me dis que l'oreillette, elle est un peu dilatée, là, je vais repenser la décision d'anticoagulation. Mais cœur sain, oreillette inférieure à 20 cm², eh bien, moi, je réfléchirai. Parce que quand même, on risque de créer des problèmes avec le traitement anticoagulant. Alors, je te donne là une question que je voudrais un petit peu te reposer. C'était effectivement dans le schéma qui était proposé par Steg, qui proposait de mettre l'aspirine pendant un mois en parallèle, bien sûr, pour les patients, les patients qui ont subi une histoire d'angioplastie coronarienne et qui sont en ACFA. D'accord, tu me suis ? Il proposait de mettre de l'aspirine avec, bien sûr, le clopidogrel ou autre anti-agrégant plaquettaire, et de mettre un AOD à une faible dose pendant un mois après, d'arrêter l'aspirine et de laisser le patient sous uniquement clopidogrel et éventuellement un AOD toujours à faible dose, et après les 6 mois, garder uniquement l'AOD. Alors, c'est le schéma, bien sûr, des résultats de l'étude Augustus. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que tu n'en as pas parlé. Si. Je ne voulais pas faire de clin d'œil à aucune étude pour qu'on ne dise pas que je tire le tapis vers tel produit ou tel produit. Toutes les molécules ont fait des études chez le coronarien. Toutes. Les quatre produits ont fait des études. Quelle est la réflexion, celle ? La réflexion, c'est que l'apport du nouveau anticoagulant nous permet de lever le pied sur l'aspirine rapidement. Mais ça doit être fait toujours en discussion avec la personne qui a coronographié, qui a dilaté le patient. Pourquoi ? Parce que lui, il connaît les lésions à haut risque et il va nous dire que ce malade, il est à haut risque thrombogène. Si le risque thrombogène, il est très important et le risque hémorragique est faible, eh bien, on doit laisser la triple thérapie au maximum, c'est-à-dire à 3-6 mois. Si par contre, le risque thrombogène, il est très faible, et l'hémorragie, elle est importante, eh bien là, vous pouvez commencer d'emblée par une bithérapie, même pas le 3 mois. Donc, c'est toute une discussion, dossier par dossier, cas par cas, entre un cardiologue et la personne qui a dilaté ce patient-là, parce que quand même, la thrombose du sein, c'est une catastrophe. Et donc, lorsqu'on a une lésion de l'IVA proximale, une lésion de la bifurcation, une lésion du tronc, donc là, on est obligé de donner une triple thérapie au début. Bien. Alors, on ne peut pas m'empêcher de poser une autre question. Tu as un patient qui est passé en sinusal parce qu'il a fait une cardioversion électrique ou éventuellement chimique ou même une ablation. Combien de temps pour toi il faudra qu'il maintienne le traitement anticoagulant ? Alors, ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Oui. C'est le CHA2DS qui va décider de l'anticoagulation au long cours. Et on a l'étude AFFIRM, c'est une grande leçon. On a arrêté les anticoagulants chez les bras où les gens ont été en rythme sinusal et il y a eu une flambée d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, le message, c'est qu'on s'en fout du rythme, qu'il soit sinusal ou FA. D'accord ? C'est le CHA2DS qui va décider de la décision d'anticoagulant au long cours. D'accord. Très bien. Parfait. Alors, je te laisse un peu te reposer et je passe à Hicham Bouzounab. Alors voilà, la question, qu'est-ce que tu fais comme traitement chez un patient dont le cœur est sain, qui est symptomatique et qui fait des multiples extracytoles ventriculaires et qui ne tolère pas du tout les bêta-bloquants et qui a une fréquence de repos extrêmement basse? C'est le docteur Hassan Hassna Belghiti qui pose la question. Alors, oui, c'est comme j'ai dit, en fait, les symptômes en elles-mêmes ne doivent pas être un goal thérapeutique, un but thérapeutique.
Là, mais on est sur des symptômes. C'est, on va viser un traitement symptomatique, c'est les bêta-bloquants. Vous dites qu'il est mal toléré. Là, c'est l'indication, à mon avis, quand il y a les propositions techniques sont là, il faut peut-être proposer ces patients-là à l'ablation par radiofréquence. Et donc là, l'ablation, ça va aider aussi pour les symptômes. Alors, à moins que, c'est vrai que c'est pas des malades aussi simples à gérer, les patients comme ça qui tolèrent, et souvent ils tolèrent mal les bêta-bloquants. On a dû affaire à des femmes qui ont des extrasystoles qui tolèrent très mal les bêta-bloquants avec des hypotensions. Là, le traitement anti-arythmique alternatif, c'est la flécaïne, mais flécaïne, il faut faire beaucoup plus attention dans ce contexte alors de bradycardie. Alors là, pour moi, je propose une ablation par radiofréquence chez ce profil-là de patient. Très bien. Bon, tu continueras la discussion avec Hasna tout à l'heure. Voilà. Bon, alors, il y a professeur Fedouache qui te pose la question suivante. Tu as un patient qui fait de multiples extracytoles ventriculaires sur l'holter, mais qui disparaissent avec l'effort, avec une échocardiographie strictement normale. C'est un patient de 45 ans. Ce patient cherche à avoir un certificat de contre-indication au sport. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, c'est aussi. Alors là, ça renvoie un peu les extracytoles chez les patients et les sportifs, les athlètes, même les athlètes. Et je vais vous donner l'exemple. L'autre exemple, c'est les athlètes de haut niveau et qui ont des extracytoles ventriculaires. Là, il faut être rigoureux par rapport à ces extracytoles. Et là, le cutoff, il faut serrer un tout petit peu le cutoff d'abord de largeur de QRS pour le pronostic. Et là, il faudrait vraiment exiger que le QRS ne soit pas très large. Et là, les sociétés savantes de médecine de sport, c'est vraiment 130 millisecondes. Et donc là, 130 millisecondes, là, il faudrait vraiment, si ça dépasse 130 millisecondes, où le patient, par exemple, il a un aspect de retard gauche qui est atypique, là, je vais pas donner un certificat de sport. Alors, par contre, si vous avez un BBG qui est bizarre, même s'il disparaît à l'effort, avec des QRS qui sont larges, même s'ils disparaissent à l'effort, là, je ne donne pas un certificat. Par contre, je pense que pour la médecine de sport, on peut proposer aux patients, s'il a fait tous les bilans, là, il faudrait vraiment pousser un tout petit peu les bilans. Même s'ils disparaissent à l'effort, il faudrait surtout chez certains patients, surtout le sport de haut niveau, il faut pousser les investigations vers l'IRM parfois, au moindre doute. Mais sinon, on peut donner, dès qu'ils disparaissent à l'effort, on peut donner, si on a des QRS qui sont moins de 130 millisecondes, avec un aspect qui renvoie un peu les infundibulaires, là, il faut soit l'envoyer avant de donner, bon, si c'est fréquent, à l'effort, il faut le renvoyer pour voir une exploration un peu électrophysiologique pour voir est-ce que ce n'est pas de l'infundibulaire pour faire de l'ablation et traiter de façon définitive. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on peut donner le certificat. D'accord. Est-ce que tu proposerais systématiquement une IRM dans le cas des extracytoles ventriculaires? Non. Non, 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 non. Et même les recommandations. Il y avait un petit commentaire du professeur Moussafé. Tu vas activer le son, s'il te plaît? Tu actives ton son, s'il te plaît? D'accord. Vas-y. Écoute, je pense que la question, elle est pertinente. Il faut prendre une décision. Et je pense que ce sont des cas-là. L'IRM, elle est incontournable. L'IRM, elle est incontournable. Et donc, c'est pas on va la demander pour un luxe. On a des extrasystoles et on a une décision médico-légale à prendre. Et il faut l'asseoir sur quelque chose. Et c'est l'IRM qui nous permettra de dire que le cœur est sain ou pas. C'est indiscutable que l'IRM, actuellement, il faut aller très vite à l'IRM, très vite, parce qu'elle donne plein de renseignements qu'on n'a pas à l'échographie. Donc, c'est une analyse histologique du myocarde. Et par conséquent, elle va nous permettre de faire les liaisons. Est-ce que ce sont des extrasystoles fonctionnelles ou organiques? Oui, Monsieur Mostarfer, je renvoie toujours dans le même ordre d'idées. C'est en fait les
quand les extrasystoles apparaissent à l'effort, comme j'ai dit tout à l'heure, cœur apparemment sain, il faudrait vraiment chercher à l'IRM s'il n'y a pas d'extrasystole. Mais en fait, les recommandations de médecine de sport, en fait, si ils renvoient ça, parce que j'ai vu ça, si les extrasystoles sont très typiques d'infundibulaire et que même s'il aggrave à l'effort et qu'ils sont un peu fines, là, on pourrait s'en passer de l'IRM. Mais je suis tout à fait d'accord qu'au moindre doute, il faut demander l'IRM chez ces patients particuliers. Très bien. On va maintenant passer à Madame Thésier. Alors, quelle est la place de la stimulation œsophagienne dans les explorations des pré-excitations ventriculaires? Oui, alors effectivement, j'en ai pas parlé pendant la présentation. Donc, en effet, la stimulation œsophagienne, c'est une autre technique d'exploration des tachycardies. Elle est utilisée à double visée. Elle peut être utilisée à visée diagnostique et thérapeutique. Et elle est particulièrement utile dans l'évaluation des pré-excitations chez l'enfant à partir de 8 à 10 ans. Donc, c'est un moyen de diagnostic qui est d'abord rapide, qui est facile et surtout qui est non-invasif par rapport à l'exploration endocavitaire. Et donc, si jamais on a un enfant qui a une pré-excitation qui est aussi symptomatique ou pour lesquels donc les symptômes ne sont pas très clairs, on peut effectivement faire appel à la stimulation œsophagienne. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi la répéter, notamment pour le suivi des enfants qui ont des pré-excitations asymptomatiques. Et ce, en particulier, s'il faut établir un certificat de pratique sportive qui, comme vous le savez, est strictement contre-indiqué si on n'a pas exploré le patient. Alors, c'est toujours Madame Fedouèche qui pose une question. Y a-t-il des critères lors de l'exploration électrophysiologique qui permettent de prédire la dégénération spontanée de la voie de pré-excitation? Bonne question. Oui, alors donc les critères de gravité électrophysiologique, donc en faveur d'une voie accessoire qui est potentiellement grave, c'est donc ça a été démontré par un certain nombre de papiers. Donc il y a tout d'abord l'inductibilité de la tachycardie, c'est un facteur prédictif. Donc de dégénérescence. Il y a donc la période réfractaire entérograde de la voie accessoire qui est courte, qui est donc, et le cutoff retenu dans les recommandations, c'est inférieur à 250 millisecondes chez l'adulte, inférieur à 240 chez l'enfant et inférieur à 220 sous isuprel. La présence de voies accessoires multiples, donc diagnostiquées par l'exploration électrophysiologique, et l'induction également d'une fibrillation atriale au décours de l'exploration électrophysiologique. Donc, ce sont les quatre critères qui définissent les formes malignes de voies accessoires. Alors, tu restes toujours avec nous pour savoir s'il y a une place à la cryoablation. Ah oui, la cryoablation. Alors, c'est vrai que donc, l'ablation par radiofréquence, donc l'un des avantages de l'ablation par radiofréquence, c'est qu'elle est extrêmement efficace. Tandis que la cryoablation, elle est aussi efficace, mais elle est plutôt réservée aux voies accessoires qui sont plutôt à localisation dangereuse, notamment les voies accessoires qui sont proches des voies de conduction nodoïciennes, parce que ce sont les voies qui exposent le plus à un risque de bloc auriculo-ventriculaire en perprocédure. Alors qu'avec la cryoablation, les effets sur la lésion sont beaucoup moins profonds. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on observe plus de récidives dans la cryoablation que dans l'ablation par radiofréquence. Est-ce que ça aide? Je peux ajouter deux commentaires. Vas-y, le grand patron toujours. Alors, le premier sur l'exploration œsophagienne. La grande limite de l'exploration œsophagienne, c'est qu'elle ne donne aucun renseignement sur la conduction rétrograde. On n'a que des renseignements sur la conduction antérograde. Et c'est pour ça qu'il est de moins en moins utilisé. Le seul intérêt, effectivement, c'est d'approcher le risque vital chez l'enfant. Mais elle ne donne aucun renseignement sur la conduction rétrograde. Le deuxième problème, c'est la cryoablation. La cryoablation, on l'a à Casablanca, on l'utilise pour les voies accessoires antéroceptales dangereuses. Parce qu'elle nous donne le luxe, de ne pas tirer pour couper le His. Lorsqu'on voit qu'on a créé un BAV, on arrête et la conduction hissienne revient. Donc, la seule, dans mon expérience, qui dépasse 1500 volts, d'ablation de 1500 volts, bien, j'ai utilisé la cryothérapie 3 ou 4 fois. D'accord ? Elle donne d'excellents résultats sur le para-hissien
et sur l'Enterocepta. D'excellents résultats, mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Le cathéter est difficilement maniable par rapport à la radiofréquence lorsqu'on a l'habitude d'utiliser la radiofréquence. Voilà. Très bien. Tu actives ton micro. Active ton micro si tu veux parler, si vous voulez. Active ton micro. Et comme a dit Dr Mostafa, ça donne de bons résultats à la cryothérapie, mais avec un bon stress pour celui qui fait de l'ablation. C'est un très, 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 très grand stress. Hein? C'est vrai. Alors, je continue toujours avec le Dr Tézi. S'il vous plaît, pour la femme enceinte, il y a beaucoup de questions qui viennent sur la femme enceinte. Alors, chez la femme enceinte, il est vrai qu'il y a très peu de data sur la prise en charge des tachycardies supraventriculaires, en particulier la femme enceinte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au cours du premier trimestre, qui est le premier trimestre au cours duquel il y a l'essentiel de la morphogenèse, eh bien, tous les antiarythmiques sont contre-indiqués. Par contre, à partir du deuxième et du troisième trimestre, donc en cas de crise, en cas de tachycardie réentrante sur voie accessoire, donc tachycardie à QRS fin, eh bien le traitement de choix de première intention, c'est l'adénosine. Et pas plus tard que hier, on a eu exactement un cas donc d'une patiente au deuxième trimestre qui fait donc une tachycardie réentrante sur voie accessoire. Donc l'adénosine, c'est safe quand on a une tachycardie à QRS fin et elle permet justement de réduire rapidement la patiente sans pour autant avoir les effets délétères d'une tachycardie persistante. Parce que malheureusement, les manœuvres vagales ne marchent pas toujours. Et voilà, quand on a l'opportunité d'utiliser de l'adénosine, il ne faut pas s'en priver. Alors après, pour le traitement au long cours, donc une fois la crise réduite, là encore, on est un petit peu limité en termes de traitement médicamenteux. Ce qui est sûr, c'est que l'athénolol, il vaut mieux l'éviter. Ça donne beaucoup de retard de croissance intra-utérin. Et on retrouve dans les recommandations, ce qui est plutôt préféré, c'est plutôt le métoprolol et le propranolol. Sinon, par rapport aux autres bloqueurs du nœud, pour le diltiazème, il est plutôt également contre-indiqué. Il aurait des effets tératogènes. On lui préférerait plutôt le verapamil. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions qui viennent toujours et qu'on se pose tous. On utilise beaucoup la cordarone au Maroc. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut nous tirer les oreilles, d'accord, mais nous, on est un petit peu laral. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question qui revient souvent. C'est la plupart des cardiologues qui posent des questions. La question ouverte pour les trois rythmologues, qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, c'est bien ce qu'a dit Dr Tézi, c'est très bien. Mais l'adénosine n'existe pas au Maroc. L'adénosine, elle n'existe pas au Maroc. Et si on ne la ramène pas d'une manière qui n'est pas réglementaire, on ne va pas la faire rentrer au Maroc. Et donc, moi, je te rejoins, mon cher ami Saïd. Bah, parfois, on est obligé d'utiliser la vieille cordarone, malheureusement. D'accord, parce qu'on n'a pas un autre choix. Et puis, pour la femme enceinte, si vraiment il y a un risque important, une tachycardie invalidante au troisième trimestre, on peut protéger le ventre par un tablier de plan et ablater cette femme avant qu'elle accouche. D'accord, ce sont des choses qu'on a fait ça chez deux patientes. Lorsque j'étais à l'hôpital militaire, on a fait ça chez deux patientes avant qu'elles accouchent. Donc, le problème… Alors, un petit complément d'information sur la femme enceinte, effectivement… S'il faut l'ablater parce que justement soit elle fait une cardiopathie rythmique ou que les crises de tachycardie sont mal tolérées, idéalement il faut essayer de différer au maximum la procédure ablative pour le fin du terme, deuxième ou troisième trimestre, et dans les meilleures conditions, utiliser les systèmes de navigation qui permettent justement d'éviter l'irradiation et de la maman et du fœtus. Ou peut-être tout simplement faire un choc électrique externe quand c'est mal toléré, et ça a été prouvé que ça ne comporte pas beaucoup de risques pour le fœtus. Et donc là, il faut, si on est en l'aiguë chez un patient qui a une tachycardie supraventriculaire médiée par une voie accessoire, par exemple chez une femme enceinte, et c'est le cas parce qu'en deuxième et troisième trimestre, le système catécholergique devient de plus en plus sollicité, et là on peut faire un choc électrique et bien sûr regarder et voir le fœtus de près, c'est tout.
Saïd, on peut toujours continuer, Saïd, parce qu'on en a jusqu'à le Ftor, hein, je te dis tout de suite. Ah bah oui, parce qu'il y a Écoute, extrêmement intéressant. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est passionnant, mais je pense qu'on va, on va continuer pour un quart d'heure de questions. D'accord, très bien, très bien. Alors, même, parce que, excuse-moi, même l'assistance, ils sont toujours là. On est 350 à être encore là. Wow. Ça fait plaisir. Ça veut dire que le sujet a intéressé tout le monde. Voilà. Heureusement, c'est bien, parfait, parfait. Alors, pour Sir Hicham, j'ai vu une bonne question, je suis en train de la chercher, voilà. Alors, pour Sir Hicham, attendez. Voilà, chez un enfant, voilà, un enfant qui présente des extracytes ventriculaires fréquentes, récidivantes sur un cœur sain, et qui a un cœur apparemment qui est normal, faut-il proposer une ablation parce qu'il y a un risque de développer plus tard une cardiopathie arythmogène? Alors, la particularité de l'enfant, c'est qu'il y a très peu de data par rapport à l'adulte concernant l'ablation par radiofréquence. Par contre, j'ai alors deux cas, il faut s'intéresser en fait à deux situations. C'est la situation la plus dramatique, c'est un peu la situation des extrasystoles ventriculaires, ce qu'on appelle polymorphes catécholergiques, qui peuvent survenir chez l'enfant. Et là, chez ces patients-là, il faudrait peut-être penser plutôt d'abord c'est l'aspect bidirectionnel qui est un aspect un peu évocateur, mais il faut penser plus à faire un défibrillateur automatique implantable. Alors vous me dites c'est des extrasystoles chez un enfant qui fait des extrasystoles toutes simples ou des extrasystoles apparemment qui semblent être infundibulaires, voilà, mais infundibulaires en général il faut attendre un petit peu jusqu'à avoir un petit âge, un âge un peu, mais plus on va retarder l'acte, plus les résultats seraient meilleurs. Donc peut-être donner un traitement bêta bloquant adapté à la posologie, donner aussi un traitement anti-arythmique adapté à la posologie et proposer l'ablation à partir des 10 ans, 11 ans. D'accord, très bien. Alors, tu es un patient, ça c'est pour Mustafir. Tu as un AVC ischémique, c'est un jeune sportif marathonien et dont le bilan de fibrillation oculaire est négatif. Il ne trouve rien. Alors, il veut savoir un peu, est-ce qu'il faudrait l'anticoaguler? On sait que le marathonien, par un remodelage de l'oreillette, fait de la fibrillation auriculaire. D'accord? Il fait de la fibrillation auriculaire. Là aussi, si on n'a pas de preuve de la fibrillation auriculaire, c'est très difficile de démarrer un traitement anticoagulant. Là, ce sont les meilleures indications du Holter implantable, à mon avis. D'accord? C'est les meilleures indications du Holter implantable qui nous permet d'avoir un diagnostic pour démarrer une thérapeutique à vie. Parce que si on démarre ce traitement chez ce monsieur qui a fait un accident vasculaire cérébral, c'est une thérapeutique à vie. Et donc, il est indispensable de documenter la fibrillation atrielle. Saïd, est-ce que je peux poser une question? Vas-y, bien sûr. Docteur Tazim Zalek, qui a fait un excellent exposé. Alors, est-ce que tu confirmes, est-ce que j'ai bien entendu que tous les VPV doivent avoir une exploration électrophysiologique et doivent être ablatés, quel que soit leur niveau de risque? Donc, il n'y a plus d'indication aux tests d'effort et aux autres tests. Alors, en fait, les tests non-invasifs, c'est-à-dire le Holter ECG, il est utile quand on a une préexcitation intermittente. L'épreuve d'effort aussi, elle est utile pour pouvoir analyser donc la perte brutale de la préexcitation au cours de l'épreuve d'effort, mais vraiment d'un battement à un autre. Mais malheureusement, ces examens ne sont pas suffisants pour pouvoir stratifier le risque du patient. Et en particulier, lors de l'épreuve d'effort, on n'arrive pas toujours à voir justement cette perte brutale de la préexcitation. Donc, au terme d'une première évaluation non-invasive, il est difficile donc, de prendre une décision et de dire ce patient, il est plutôt à bas risque. On est obligé de passer par l'étape de l'exploration, au moins. Après, la discussion de l'ablation, prophylactique ou pas, c'est une autre question. Une fois qu'on a fait l'ablation, l'exploration a pour objectif d'essayer d'évaluer le degré de dangerosité de la voie accessoire.
Et pour cela, donc, on cherche ces différents critères qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire on essaie d'induire la tachycardie, on essaie de voir la période réfractaire de la voie accessoire en entérograde, on essaie de voir si on arrive à induire une EFA, et enfin, on recherche les signes de malignité. Si au terme de l'exploration, le patient est plutôt classé à haut risque, eh bien, les travaux de Papone ont en fait démontré qu'il y avait un véritable bénéfice à ablater de manière prophylactique ces patients-là. Par contre, si on a, au décours de l'exploration électrophysiologique, des critères en faveur d'une voie accessoire qui est plutôt bénigne chez des patients asymptomatiques, eh bien, cela, on peut se permettre d'avoir un suivi clinique annuel et éventuellement refaire d'autres explorations si jamais le patient recommence à devenir symptomatique. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ablation est une indication indiscutable chez la préexcitation symptomatique. Elle est indiscutable dans la préexcitation asymptomatique chez le sportif et les professions à risque, donc les pilotes, les conducteurs. Elle est également recommandée dans les préexcitations asymptomatiques avec des critères de gravité. Merci beaucoup. À toi, Saad. Alors, Saad, il est déconnecté. Saad, est-ce que tu nous écoutes? Saad Soulamé. Alors, tu as dit que on fait l'exploration électrophysiologique et puis après, on va voir est-ce qu'on va ablater ou pas. Moi, en tant que simple cardiologue, j'aurais dit on y est, tant qu'on y est, donc tant qu'à faire, donc faire une ablation. Ou bien est-ce que le geste comporte quand même un peu de risque? Alors, l'exploration avec l'optique de l'ablation, elle est tout à fait logique quand on a un patient qui est symptomatique. Mais quand on a un patient qui est asymptomatique, on fait d'abord une première évaluation électrophysiologique pour stratifier le risque. Effectivement, si la voie accessoire est tout à fait accessible, on peut dans la foulée, et si on a bien sûr les critères de gravité, on peut dans la foulée faire la procédure ablative dans un même temps opératoire. Si la voie accessoire est plutôt de localisation dangereuse, telle que l'a cité professeur Montserrat, c'est-à-dire une voie accessoire antéroseptale ou midseptale, où le risque justement lié à l'ablation est quand même élevé, il faut véritablement peser le pour et le contre entre une procédure ablative qui est invasive chez un patient qui est totalement asymptomatique mais qui a des critères justement de gravité et un traitement médicamenteux qui peut faire l'affaire dans ce cas de figure. Et je pense, docteur Tazi, que aussi la limitation, il est d'ordre aussi logistique, puisque pour la prise en charge, même symptomatique, là, on n'a pas le droit de demander et la prise en charge, et pour l'exploration, et pour l'ablation dans la foulée. Nous, en principe, quand on fait une demande de prise en charge, on fait systématiquement exploration plus ablation. Après, en fonction des résultats de l'exploration, la prise en charge peut être réajustée. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, je reviens toujours à la question en ce qui concerne le sportif de haut niveau chez lequel on découvre un VPV. Oui. Faut-il l'explorer systématiquement? Faut-il contre-indiquer complètement le sport? Faut-il donc l'explorer pour éventuellement l'ablater, ensuite l'autoriser à faire le sport? D'accord. Alors, effectivement, dans la population des athlètes, ou en tous les cas, même les patients qui ont une préexcitation et qui veulent faire, donc qui veulent avoir une activité sportive de loisir, il est clair qu'on ne peut pas autoriser la pratique sportive en l'absence d'une exploration électrophysiologique. Donc, il est indispensable de recommander une exploration électrophysiologique, aussi bien à l'état basal que sensibilisé par Isuprel, pour pouvoir stratifier le risque du patient. Après, donc si le patient est symptomatique, donc là, on rejoint les recommandations classiques, à savoir que c'est une ablation qui est obligatoire. Si le patient est asymptomatique et a des critères, l'ablation, elle est recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Alors, pour ce qui est de la reprise de l'activité sportive, elle est autorisée après une ablation réussie, dans un délai de 4 semaines selon les recommandations
américaine, tandis que les Européens, ils prennent un peu plus de précautions. Ils autorisent la reprise de la pratique sportive à peu près 3 mois après la procédure ablative. Très bien. Hamid, on te pose la question, qu'est-ce que tu fais vis-à-vis du traitement anticoagulant chez les patients qui ont une hyperthyroïdie, une insuffisance respiratoire? L'hyperthyroïdie, j'anticoagule indiscutablement. Elle ne protège pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un haut débit. Vous savez qu'il y a les maladies à haut débit. Il y a l'hyperthyroïdie, il y a la fistule artério-veineuse et il y a le beriberi. Donc, elle fait partie des maladies à haut débit, mais elle est très thrombogène. Et j'ai la chance d'avoir commencé ma carrière dans un service de médecine interne où on a manipulé le traitement anticoagulant chez les gens qui ont des maladies de la thyroïde et il faut les anticoaguler. C'est une discussion qui est tranchée. Par contre, l'insuffisance respiratoire, je ne vois pas, ce n'est pas une contre-indication le traitement anticoagulant à ma connaissance. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne va pas anticoaguler quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire. Alors, Madame Adaptazi, qu'est-ce que vous pensez de la flécaïne dans le cadre effectivement de la découverte d'un syndrome de précipitation ventriculaire? Qu'est-ce que je pense de la flécaïne? Oui. Oui. Un patient sur lequel on découvre du jour au lendemain un VPV, mais qui est totalement asymptomatique. Faut-il donner quelque chose? Faut-il le laisser tranquille? Faut-il l'explorer, comme vous avez tout à l'heure dit à M. Schreiby, à un patient complètement asymptomatique? Alors, ça va dépendre. S'il souhaite donc avoir une activité sportive, on est obligé de passer par l'étape de l'exploration électrophysiologique. Si c'est un patient qui est d'un certain âge, qui ne va pas avoir une pratique sportive intense, ça va dépendre aussi du patient. Préexcitation, est-ce qu'elle est asymptomatique ou symptomatique? Asymptomatique. Asymptomatique. D'accord. Le patient ne se plaint de rien. D'accord. Et préexcitation que l'on voit déjà sur le CG de base. Pour les 3 quarts d'heure, absolument. Ben oui, il n'y a pas de souci. Il faut juste prendre les précautions qui sont liées à la flécaïne, notamment à partir d'un certain âge. Comme vous le savez, la flécaïne est plutôt à éviter chez les patients qui ont des cardiopathies sous-jacentes. Mais sinon, en dehors, sur un cœur sain, il n'y a pas de souci par rapport à la prescription de la flécaïne. Alors, je voudrais ajouter 2 choses. Oui. D'abord, je voudrais ajouter 2 choses. D'abord, c'est la pratique, c'est ce qu'on fait tous les jours parce que tous les malades ne peuvent pas se permettre de faire une ablation. Moi, j'ai un certain nombre de malades que je suis depuis des années et qui sont uniquement sous flécaïnide parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire autre chose. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ce sont des gens qui sont mutualistes ou qui ont les moyens. Je pense que de notre côté, nous, en tant que rythmologues, il faut leur proposer l'exploration électrophysiologique pour justement stratifier le risque chez ces patients-là. Donc, tout dépendra des moyens matériels chez ce patient-là. S'il peut se faire explorer, il doit se faire explorer parce que l'exploration permet quand même de stratifier le risque chez ces malades. S'il ne peut pas pour des raisons économiques, eh bien, on va donner du flécaïnide parce que c'est le seul médicament qui coupe, qui ralentit la conduction entérograde sur la voie accessoire. Et c'est celui qui protège le mieux contre d'éventuels troubles du rythme atriaux qui vont passer au ventricule. Et docteur Moussafé, dans le même ordre d'idées, beaucoup de patients, parfois on est tenté par les bêta-bloquants. Alors nous, on préfère les flécaïnes pour les Wolf, surtout quand par exemple des patients, des Wolf malins, plutôt donner de la flécaïne que de bêta-bloquants. Parce que bêta-bloquants, j'ai un patient qui a un Wolf qui est suspect de passer en EFA et donc de FV, donner un bêta-bloquant, c'est mortel. Par contre, la flécaïne, ça va protéger en attente d'une ablation. Tout à fait. Merci pour cette réponse. C'était une réponse destinée également pour le professeur Adam Akin de Sénégal qui est en train de nous voir. Effectivement, il faut donc garder la flécaïne et pas du tout les bêta-bloquants. Alors, une bombe qu'on te pose à Hamid. Quel traitement antithrombotique faut-il proposer chez un patient qui a eu des antécédents d'AVC hémorragique, un stent actif au niveau du tronc commun et qui fait des passages actuellement en fibrillation auriculaire? Est-ce que ce malade-là, il a une fibrillation atriale valvaire? Il faut l'envoyer à Soulamy. Est-ce qu'il a une fibrillation atriale oui.
Absolument, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est malheureusement. Est-ce qu'il a une FA valvaire ou non valvaire? Est-ce que non, je suppose non valvulaire, non valvulaire. Alors non valvulaire. Alors j'ai la réponse. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'attendre au moins 8 semaines. Je dis bien au moins 8 semaines et on reprendre. Mais sous quoi? Rien. Sous rien. Ah oui, bien sûr. On donne rien. On peut pas. On peut rien donner. On va le laisser sous son aspirine et clopidogrel s'il a un stent. D'accord. On peut rien donner parce que si tu donnes un traitement anticoagulant, tu vas le tuer. Tu vas le tuer. Premièrement. Deuxièmement, c'est s'il était sous AVK, de choisir un AOD après cette période-là et d'introduire un AOD. Il y a des papiers qui ont démontré que le risque, on gagne sur le risque thromboembolique sans augmenter les hémorragies après des AVC. Et l'indication idéale de l'occlusion de l'auricule, c'est pour ça que j'ai demandé est-ce que c'est une FA valvaire ou pas, c'est dans ce contexte-là. Sachant que lorsqu'on met l'auricule, il y a une phase où on doit donner un peu d'anticoagulant. Et donc, le risque, il y est toujours. C'est une bombe, effectivement. C'est une décision qui comporte des risques qui doivent être expliqués aux malades et que les AOD ont permis quand même de diminuer ce risque hémorragique et de l'atténuer même après un accident vasculaire cérébral hémorragique. Voilà ce que je peux dire. En sachant, es-tu d'accord que l'exclusion de l'auricule gauche ne protège pas à 100%? Alors, non, absolument. Tout à fait. Elle ne protège pas à 100% et il y a des AVC qui ont été rapportés après pose de prothèse au niveau de l'auricule. Monsieur le Président, je te dis jusqu'à l'ftor, tu peux y aller? Tu veux encore? Je pense que tu peux conclure, Saad. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas envie de conclure, c'est tellement passionnant. Je te jure, j'ai appris beaucoup de choses. Finalement, j'ai appris beaucoup de choses. C'était extraordinaire. C'est dommage qu'on va arrêter. Hein. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter. Les questions ne font que tomber. Hein. Voilà. Mais c'est très bien. Je vous remercie infiniment. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à tous les orateurs. Vous avez été d'excellente qualité. Merci à Hichem d'avoir pris la peine de nous répéter ton topo. C'est très, très bien. C'est très bien. Alors, je voudrais remercier surtout quelqu'un que vous ne voyez pas, qui est derrière le rideau et qui s'appelle Yunus Tarjoti. Celui-là, je voudrais que tout là, on lui fait comme ça. Il a été très bien. Il nous a fait du bon travail. Voilà. C'est très bien. Voilà. Donc, je te laisse conclure, Saïd. Très, très bien. Écoute, à mon tour de remercier tout le monde, franchement, tous les cardiologues qui sont restés patients jusqu'à maintenant, tout de suite là. Et puis remercier les orateurs qui étaient excellents. Donc, en dehors de petits problèmes techniques, mais qu'on a pu rattraper et que ces musulmans a rattrapé avec brio tout à l'heure. Donc, je les remercie infiniment pour leur disponibilité et leur compétence. Je te remercie aussi, Saad, pour le rôle que tu as joué de façon tout à fait brillante. Je remercie les laboratoires Pfizer qui nous soutiennent toujours. Et puis, je voudrais vous rappeler à tous les cardiologues, le webinaire de la SMC, de la Société marocaine de cardiologie, avec notre ami Aïcha Ouad, et qui va, où ils vont inviter le professeur Eric Abergel et le professeur San. Ceci le mardi, donc retenez bien la date, le mardi 5 mai, donc à partir de 16h30, comme d'habitude pour la SMC. Et puis aussi nos deux webinaires de l'AMCAR prévus pour le week-end. Le premier, le samedi, sur l'hypertension pulmonaire avec un invité de marque, qui est le professeur Marc Imbert, qui est une sommité mondiale. Et puis aussi le webinaire du dimanche sur l'imagerie cardiaque, où on va inviter nous aussi Eric Abergel. Donc c'est une pure coïncidence, le professeur Marie-Christine Mahler et le professeur Dani Amoti. Ceci à 14h. Voilà, vous êtes bien entendu tous invités. C'était un réel plaisir de vous écouter. Et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Bye bye. Diffusion arrêtée. Merci pour le remerciement. Merci, Younes. Merci beaucoup. Il est parti, je pense.
بغينا نجمعوا عليه في الفطور ساعه بارك الله عليكم ميرسي بوكو ها ميرسي 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 avec plaisir avec plaisir merci beaucoup merci merci beaucoup avec plaisir à bientôt les amis hein à bientôt merci c'est Sorabi merci merci à bientôt frère